Tout va bien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et suite, et j'espère bientôt fin de Ombre sur Boganafen, second scénario de notre petite campagne impériale. Est-ce que j'ai un volontaire pour nous raconter ce qui s'est passé la dernière fois? Ah non, j'ai fait pour Cops, c'est bon, je vous J'allais laisse dire faire. Wedge, moi, mais bon. Ah oui, mais oui, le problème c'est que la dernière fois j'étais. Ah oui, j'étais pas là. Alors, cependant, l'épisode est quand même en ligne, donc t'aurais pu le voir, tu vois. Ah bon? Ah, je savais bien qu'il fallait que je regarde quelque chose, mais. En fait, c'est écouter à la base, mais bon. Ah oui, bon. Allez, Shankobi a pris des notes. Je vais pas écrire. Oh C'est moi qui l'ai putain! fait la semaine dernière, non, c'est à son moment de le faire aujourd'hui, je suis désolé. Ah, c'était Voilà. pas toi la semaine dernière. Et toc! Quand tu l'as C'est un petit complété. côté qui a fait la vaisselle là, mais bon. Ah, Ça, je suis les l'entrain, sales donc. gosses! Ouais. Mais c'est facile, la semaine dernière, on a réussi à finir le scénario et tu nous as donné 2000 points d'XP chacun! Pardon? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? J'entends mal. Bon, Non, allez, on le dites voit à moi comme chaque partie ça. de COPS, Grosso hein, j'ai modo, il envie de s'est pas dire. passé Hein. grand-chose, hein. On a enquêté et puis on a rien eu comme info, donc voilà. Oh, ouais, on a eu des confirmations d'infos. Oui, on a eu Ouais, des c'est ça. confirmations d'infos et on a l'appui quand même de Confirmer la quelque chose grande qu'on savait prêtresse de déjà, Verena et de la Félicidra, grande mais ça prêtresse joue de rien Chalia. en termes d'infos. Donc on avait rien. Voilà, on a rien eu. Alors, Si, vous je savez m'inscris maintenant en quelle est la faux. maladie? Vous savez quelle est la Voilà. maladie dont souffre le juge? Voilà, On s'en donc fout. on a les deux appuis de notre deux grandes prêtresses. On sait que le juge a été maudit et que sa maladie est due à de la magie noire. C'est toujours pas rien. Qu'est-ce que. Il est d'accord Tu avec vois, vous, toi le aussi, juge. tu galères. Ouais, qui ne maudit qu'on sent? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Parce que attends, on a été chez le juge avec la grande prêtresse de Chalia sur la demande de la prêtresse de Verena et des disciples de Chalia. Les disciples de la grande prêtresse de Chalia a déterminé que c'était bien le je sais plus quoi rouge, donc une maladie magique, et du moins initiée magiquement. La fièvre peste. cérébrale pourpre. La fièvre cérébrale pourpre, voilà. Et donc on est déjà passé sous l'autorité de la grande prêtresse de Chalia vu que c'est Maladie magique. une maladie magique. Mais on fait quand même notre rapport aussi à Ouais, la moi grande j'allais dire que prêtresse t'es de une connasse, Verena. hein, mais bon. Oh là là, j'entends Il rien. est en Qu'est-ce que t'as forme, je sais mangé pas en beau forme de soir? quoi, mais il est en forme. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Ah oui, t'as rien mangé, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est lié. Quoi d'autre encore? Alors après, par contre, qu'est-ce qu'on avait fait après? Parce qu'on est retourné, mais avant de retourner faire notre rapport chez Chalia et chez Verena, on Vous êtes allé dans avait. les égouts. Oui, voilà, c'est ça. On est retourné voir le fameux lieu où il y a eu l'invocation pour s'apercevoir que tout avait été refait à neuf, sachant qu'on avait aussi un type de Verena qui était là pour. En tant que maître jaunâtre attestant tout ce qu'on voyait. On appelle Pourquoi ça un il était frère si. huissier, mais c'est pas grave. Ouais, Hein. j'allais dire, c'est un huissier, mais pourquoi il est jaune Maître ton Capello, huissier? quoi. C'est Mais ça. complètement raciste! Non, mais j'aime bien maître jaunâtre, ça me plaît, j'aime beaucoup. On a vu que tout avait été refait à neuf, ce qui prouve qu'a priori, il y a le type qui veut cacher ses traces a mis les moyens pour cacher ses traces. Et il me semble qu'on était resté après avoir fait nos rapports sur ce qu'on avait vu, sur le fait qu'on voulait aller voir le frère de Franck Franck. pour essayer d'avoir des informations ou de l'atteindre lui, d'avoir Franck. Franz Steinegger et son frère Steiniger. Heinrich. Ah, c'est vous, c'est Heinrich. Heinrich. Alors, Et je vous avez pense aussi qu'on en était découvert resté des là, de tête. choses. Vous avez découvert quelques petites choses quand même. À savoir que lors de Septenarius, Ils sont était sept. de. Voilà, enfin. Pensez qu'ils sont sept. Vous avez appris deux noms qui ont confirmé vos. Je vous rappelle qu'ils ont fait des donations au temple de Chalia, que la grande prêtresse de Chalia vous a donné leurs deux noms. Exact, un marchand et je Dont sais le plus. France, machin.
Il y a Franz Steinegger et il y a... J'ai pas pris mon cahier spécial. Nagirius, qui est un des notables de la ville, responsable de la guilde des... Vous voulez pas qu'on les renomme XYZ, non? Ah, écoute, t'as voulu jouer au Warhammer, hein? Tu supportes les noms au Warhammer, hein? Ouais, je vais pas dire, mon générateur de noms, il est vachement plus sympa. Alors, vous aviez aussi les différentes pistes qui vous restaient encore. Vous en souvenez? Là, comme ça. Ça, c'est ma feuille. J'ai pas pris mon cahier de notes. Bah, on avait espoir de... Enfin, une des pistes qui semble être la dernière, c'est éventuellement faire une confrontation. Ouais, il y a la piste du voleur, la piste de la... Ouais, alors le voleur, a priori, il aura du mal à se réveiller. Ouais, c'est ça. Comment? Oui, bah j'ai dit c'est ça. Oui, ouais, mais ça c'est pas se réveiller avant la fin du scénario, le voleur. Ah, c'est pas Kradish, hein. Ah non, c'est sombre, hein. C'est sombre. C'est Oname, hein. C'est Oname qui l'a décroché. Oui, il y a... Il y a un autre truc. Il y a la patrouille. Ouais. Ouais, mais ça, on avait dit non. L'anthropocène. Il y a aussi... Ça, éventuellement. J'ai récupéré dans les archives des tribunaux sur... Quand t'as dit que le lendemain, tu pourrais les récupérer. Et je tiens juste à rappeler que vous aviez aussi visité le charlatan de service sur la foire, à savoir la vendeuse. C'est là. Ça vous avait... et que ça vous avait coûté 25 couronnes. Et que Seb a une lettre. Ça m'a coûté 25 couronnes, même si c'est sur le pot commun. Je tiens personnellement à le dire, hein, tant que c'est pas remboursé. Donc la prêtresse de Chalia vous a dit que vous alliez reprendre l'argent le lendemain matin auprès du père. C'est ça. Ouais. Et degré ou de force? Ah, force, oui, bonjour. moi j'avoue que je serais bien pour voir avec Oneim côté tribunal et avant d'aller voir Heinrich. Éventuellement de voir le chef de la guilde des marchands de la ville de Boganafen. Mauvaise idée. Tu penses? Bah si c'est le responsable de la guilde des marchands, c'est-à-dire un mec qui peut être impliqué, ouais, c'est peut-être pas une super idée. Qui est impliqué à cette affaire, on n'a plus le temps de faire des... Ouais, mais justement, je sais pas ce que tu veux faire, parce que moi, ça revient au même que la confrontation. De ces mecs-là, hein, mais voilà, on lui a tout dit à elle. Hein, donc... Ouais, ah, mais oui, là, mais... pour le coup, on a l'air direct, en fait. Hein. Après, bon, tu fais ce que tu veux, hein, mais... Bon, par contre, très important, Kranich, s'il y a des gens qui te courent après en essayant de te tuer, c'est normal, vu les conneries que t'as fait la semaine dernière. Voilà. Quoi? Désolé. Bah, de toute façon, tu l'as écouté sur YouTube, la vidéo, donc tu sais très bien les conneries que t'as fait. Donc tu pourras te débrouiller. Ah, d'ailleurs, mets cette barbe postiche et ce casque, s'il te plaît. Tu te comptes quand même 3 couronnes de moins, c'est ce que t'as payé en bière à l'elfe. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh le thé, j'ai payé des bières. Mais c'était pas dégueulasse. Bon, sur ce, vous avez aussi prévu de... Enfin, vous aviez parlé aussi d'une contre-embuscade sur les mecs qui vous pourchassaient. Oui, il y avait ça aussi. Ouais. Si on se faisait pourchasser, ça serait bien de leur tendre une embuscade, voilà. Histoire de savoir ce qu'ils savent. On avait surtout dit qu'on se déplaçait toujours en groupe pour éviter de se retrouver en infériorité numérique. Je tiens à le rappeler. Alors, vous avez décidé de passer une bonne nuit au bord du Berry-Belly. En prenant des tours de garde, parce que pas confiance. En prenant des tours de garde, c'est bien ça? Ouais. D'accord. C'est pas comme si on avait déjà été agressé sur le Berry-Belly, quoi. Hein. Alors, à plusieurs reprises. Eh bien, il y a un hit pie sur le Berry-Belly. Que vous allez remarquer pendant la nuit. Et particulièrement pour les gens qui sont en peu fin, c'est que la lune
continue de présenter des caractéristiques assez bizarres. Plus ça va, et plus son visage devient visible. A priori, non. Si, si, je le reconnais, c'est l'oncle machin, là. Le frère de la cousine... Si, si, il a une sale trogne, ça ressemble vachement à ça. Alors, en fait, plus ça va, plus le visage devient précis et montre une figure grimaçante. Ouais, c'est ce que je dis. L'oncle, vraiment, c'est un sale type, ce type. À tel point, d'ailleurs, que vous vous demandez... Elle n'est pas en train de vous regarder. J'ai déjà l'œil de Verena sur moi, si j'en ai encore, ouais, ça va commencer à être gênant. Hein. Ah, puis là, c'est morse libre, hein. C'est juste... Voilà. C'est juste la lune, la plus qu'elle. Donc, oui, oui. Bah, il s'est rien passé de notable. Bah, c'est finalement une bonne nuit. Vous êtes reposé. Vos points de fortune sont revenus à toc. Yes. Est-ce que les points de blessure aussi, parce que j'en avais un en moins. Vous gagnez tous un point de blessure. Vous avez très bien dormi. Bon alors, quel est votre programme ? Moi je soutiens l'initiative de démarrer par le passage au tribunal pour que Onheim récupère ses informations. Je dis c'est rapide et ça peut nous apporter gros si c'est ça peut faire une petite cagnotte. Enfin ça peut. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. Après je sais pas. Je serais d'avis moi ou d'aller carrément chez le marchand ou éventuellement au temple de protection de la divinité tutélaire de Boganafen, là je sais pas quoi pour avoir des informations. Boganauer. Boganauer, voilà. Pour avoir des informations sur éventuellement une profession, un truc qu'ils auraient eux, ou s'ils auraient des idées sur ce qui se passe avec la Lune et tout. Vu qu'il n'y a que la ville qui a l'air d'être menacée. Sachant qu'en plus, vous pouvez faire quasiment tout ça en même temps, parce que c'est tout devant. Hein. Mais bon, après, comme on a dit... Faut pas se séparer, donc je pense que le mieux c'est de tout faire ensemble. Si vous voulez faire ou démarrer par autre chose, je ne serais pas contre. Voir le juge, t'es pas loin, c'est rétabli, c'est la question. J'en suis pas sûr, parce que je crois qu'ils ont stoppé la maladie, mais je pense pas qu'ils l'aient guéri quand même. D'accord. Parce que c'est un légume hein, de mes mémoires. Hein. Et puis de toute façon, avec la langue qui lui bouge tout le temps, je crois qu'il est incapable de parler. Donc. Enfin, on peut, hein, mais bon, je suis pas sûr que ça serve, et puis on a déjà plein d'autres trucs à faire. Hein. Alors, et... qui va faire quoi ? Et où ? Moi, c'est facile. Je suis Kranik. Pourquoi ? Comme ça, tu prends l'initiative. Ah. Alors, en fait, on a Seb qui suit Kranik. On a Kranik qui suit Onheim. On a Onheim qui suit Dormtal. On a Dormtal qui suit Béatrice. Qui se détache dans la sortie du virage. On a l'intérieur de l'étroit. Oh non. Bon, moi, je serais d'avis de passer d'abord au tribunal, pour que Onheim puisse récupérer ses informations. Ah, je dis que ça mange pas de pain. Et qu'on le fasse tous ensemble. Quand vous arrivez au tribunal, vous apercevez que y a un huissier qui est là, a priori, il a reçu des consignes. Il te fait rentrer Onheim, par contre, bon, bah, il dit qu'il reçoit pas tout le groupe, hein, clairement. Non, mais c'est bon, on l'attendra dehors, quoi, mais au moins... C'est un tribunal de l'Empire, quoi, merde. Vous êtes quand même sur la right place, donc il y a le temple de Boganauer, il y a l'hôtel de ville à côté de vous, il y a la guilde des pleureurs, le temple de Verena, le temple de Chalia. Le temps qu'Onheim soit au tribunal, je serais d'avis moi de faire un saut au temple de Boganauer qui est juste en face, si ça vous dérange pas. Je veux savoir ce que tu veux faire en fait. Je voudrais poser des questions sur la fameuse lune, le truc. Est-ce que ils auraient parce que ça a l'air menaçant ce machin. Non, en fait, je dis ça parce que pour avoir eu accès entre guillemets à des gens compétents dans les temples, à savoir les grands prêtres et grandes prêtresses, on a été introduits dans les autres, soit par toi, soit par une lettre. Je me demande en fait qu'est-ce que tu veux faire en fait au temple, parce que si tu dis que tu veux aller voir le grand prêtre, si t'as pas une vraie raison. Qui va justifier qu'un grouillot se bouche son fion, il n'y a pas de raison. Bah, en fait, je suis disciple de Verena, donc... Donc t'as aucun pouvoir sur place. Non, j'ai aucun pouvoir, mais je peux très bien dire que pour... on compile la connaissance aussi, hein, donc s'ils ont des informations, on est là pour les prendre et puis les mettre dans les bouquins, et puis un moine copiste de Verena recopiera ça quelque part. C'est tout.
Et t'as quelque chose pour prouver tout ça? Je suis disciple de Verena. Et c'est marqué ici. En tant que disciple de Verena, tu veux dire? Je sais pas, c'est pas mentir, c'est soutirer des informations, c'est pas la même chose. Ouais, ouais. Moi je te sens que ta procédure est foireuse. Mais bon, vas-y, hein, je te regarde et je t'aide si je peux, mais je sens que c'est foireux. D'accord, bah tu remarques que toi si tu veux, tu peux traverser la rue et aller récupérer ton fric au temple de Calia. Ah hein. oui, y a pas moyen. Enfin, si la Grande Bretagne s'est pas passée, il sera pas là. Mais bon, je vais quand même demander si la Grande Prêtresse s'est passée et si elle a laissé. T'as un petit mot de remerciement et 25 couronnes dans le jeu de bord. Ils ont pas fait des temples. Le temple de Bogenhauer. Alors, quand tu rentres dans le temple de Bogenhauer, c'est clairement pas le plus gros de la ville, mais il est juste en face l'hôtel des villes. Vide. Il n'y a pas un prêtre dans le temple. Comment ça, vide ? Il y a personne, a priori. Il n'y a pas de prêtre de Bogenhauer présent dans le temple. Okay. Sur la messe noire. Par contre, qui est rentré dans le temple ? Béatrix, au minimum. A priori, moi j'étais chercher mes sous en attendant. Hein. Et après, ouais, je vais les rejoindre. Béatrix, alors. Ah bah écoute, Béatrix, c'est pas compliqué. Quand tu rentres dans le temple, t'as une espèce de vague sentiment que quelque chose de mal va se passer. What ? C'est Verena qui me prévient. Oula. Et donc, tu sens comme... t'es mal à l'aise. T'as la sensation que quelque chose pourrait arriver de toute façon. Qu'est-ce que t'as mangé ce matin ? Alors c'est peut-être lié à la lune, à Morse Libre et tout le reste quoi, mais ou alors c'est un signe comme on voit Verena. Et une fois que tu ressors du temple, cette impression désagréable disparaît. Je vais quand même mettre au courant mes petits camarades qu'il n'y a pas de prêtre dans le temple de Bogenhauer et que j'ai une sale sensation quoi, donc ou alors ils sont vraiment au courant de ce qui va se passer et ils se sont cassés. Ou alors ils sont tous morts. Dans ce cas-là, si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on y retourne tous ensemble et éventuellement qu'on jette un coup d'œil un peu plus poussé quoi, mais bah, toujours est-il que pendant ce temps-là, une fois t'es finalement reçu et on va te donner accès en fait au dernier document de ton... enfin, du mec que t'allais visiter. Tu t'appelles, tu me rappelles son nom? Ouais, attends, je retrouve le document. Sigmund Mallard. Voilà, Mallard. Donc, Mallard. Pardon. Mallard, en fait, retrouve son... Et tu découvres que il a fait des observations, en fait, de Morse Libre. Qu'il pensait avoir un rythme purement, rocambolesque en ce moment. Mais assez mystérieux. Il a fait des observations sur Morse Libre, et tendance à peut arriver à des moments où elle ne devrait pas arriver, en fait. Il parle de ce visage grimaçant qu'il voit de temps en temps. C'est arrivé de façon, je vais pas dire régulière, mais c'est arrivé plusieurs fois en fait. Et il pensait que ça allait crescendo. Donc, il a fait des observations à l'extérieur aussi de Bogenhafen. Et il a même poussé jusqu'à Weisbruck pour voir s'il observait les mêmes choses. Et à Weisbruck, on n'observe absolument pas la même chose. Ça concerne bien que Bogenhafen. Et donc, il a pris la décision, il y avait quelques temps, d'en appeler à ton maître, avec impatience de ses nouvelles. Et puis, il se sentait aussi oppressé, et il n'aimait absolument pas l'atmosphère qu'il y avait en ville, particulièrement au temple de Bogenhauer. Ça fait deux éléments pour qu'on retourne au temple de Bogenhauer. Puis ça, je dis rien. Les autres comptent aller au temple, je m'empresse de les rattraper avec ces nouvelles. D'accord. Bon, sinon, tu remarques qu'il y a des tas de calculs, mais pour toi, c'est complètement
comprend rien du tout. Pas la compétence astronomique, selon moi. Non. Bon, il y a des tas de symboles, c'est bizarre. Il y a des trucs que c'est écrit en classique, et puis des fois, tu comprends pas parce que les symboles ressemblent à rien. Ah, il parle aussi d'un grand malheur. D'un grand malheur. Je trouve d'ailleurs la référence au grand changeur. D'accord. Parce que la lune grossira et grimacera normalement dans le ciel, s'en suivra une période de grand bouleversement. Le grand changeur viendra alors pour assaisir ses plaisirs, les mortels apaiseront sa fin. Okay. Tu vois que finalement il enquêtait quasiment sur la même chose que vous. Lui, il en est mort. Là, tu peux rajouter le tin-tin-tin. Pas mal. Bon, bah, je rejoins les deux. Que vous faites donc? Moi, j'informe mes petits camarades que j'ai fait un saut au temple de Boganawar, là, juste en face, et que... pas glop. Et j'aimerais bien qu'on y retourne pour pousser un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'il se passe un truc bizarre. Moi, je leur annonce que le défunt, Sidney Mallard, disait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans son journal avec le temple de Boganawar. C'est pas une invitation à aller au temple de Boganawar, je ne comprends pas. Ouais, ou ça pue la gueule. Bah justement, au moins on va être fixé. Mais moi, je rentre pas du pied gauche, ni du pied droit. Je vous regarde d'abord rentrer. Et si vous disparaissez, bah j'en prendrai note. Crani, je peux vous aider à faire rentrer à ce bon set dans le temple. Et voilà, à cause de toi, Cranich, il s'est fait mal aux doigts. Ça va, honte. Alors, dès que vous... il suffit que vous rentriez dans le temple de Boganawar, en fait, pour que vous vous ressentiez. Ce mauvais pressentiment, en fait. Est-ce que je connais une autre langue qu'ils connaissent pas? Parce que comme ça, je me mets à parler dans une autre langue, histoire de les faire flipper, mais sinon, non. Pas mieux. Alors ça marche que si tu parles dans une autre langue et si ta tête fait un tour à 360 degrés sans que tu meurs. Et donc quoi, qu'est-ce que tu disais? Bah que vous ressentez comme une comme un vague pressentiment que il va se passer quelque chose de terrible en fait. Et il y a personne, on peut faire le tour du temple rapidement. Ah oui, tu peux y aller. Oui. Bah moi je serais pour le rapporter tout de suite aux grandes prêtresses et autres parce que c'est chelou. Bah justement, c'est très bizarre. Pour ma part, j'essaye de suivre la voie vers là où ça pue le plus la magie, finalement. Ok. Kranik, tu m'accompagnes? Je sors juste dehors pour parler aux passants pour savoir. C'est peut-être pas si chelou que ça, hein, il y a encore le festival. Hein. Bah justement, c'est ce que j'allais faire. J'allais parler aux passants pour savoir où est le grand prêtre de. Où sont les prêtres, en fait, savoir s'ils savent. S'ils me disent qu'ils sont tous au festival parce qu'il y a un petit temple au festival, tu vois. Voilà. Où mais, sont ouais, les j'ai prêtres. Envie de demander aux passants dehors et j'ai envie que Kranik m'accompagne parce que c'est mon assurance vie. Comme si j'étais une assurance. Quand tu ressors dehors, déjà la première chose que tu fais, c'est en sortant du temple, tu ne ressens plus cette impression de qu'un danger va arriver en fait. Kranik, prends une torche. Il est en quoi le temple? Il est en pierre. Mais attention, hein, c'est un pressentiment. Hein. Pas. Oui, non, mais j'ai pas dit que j'allais le faire. Juste que voilà, on sait jamais. Donc il est en pierre, donc il faut des explosifs. Alors donc, Unheim, si tu détectes la magie, en fait, tu ne sens pas de magie dans le lieu, en fait. D'accord. C'est voilà. D'autant plus chelou. Alors, par contre, tu ressens quand même, si, une légère perturbation de l'éther, ça, oui. Mais, en fait, il y a comme une vague odeur. Il y a comme une vague odeur un peu puante, mais quelque chose de très très léger en fait. Voilà. Je me suis la perturbation ou l'odeur pour voir où elle mène. C'est pas. Il n'y a pas de... Ouais. De... Non, je me lave. c'est pas comme la marée galante, on ne tombe pas sur des bols de soupe fumant ou des trucs qui feraient que tout le monde serait parti d'un coup, etc. Quoi. C'est... Il n'y a personne, mais c'est comme si tout le monde était parti normalement. Oui, non, il n'est pas abandonné. Hein.
Okay. Entretenu, tout ça, mais tu ne vois aucun prêtre. Et à l'extérieur, je demandais. Oui, alors à l'extérieur, en fait, on te dit que tous les prêtres sont. On mis un oratoire de Buggenhauer au milieu de la foire. En fait. Bah, si y a plusieurs personnes à me dire ça, je leur dis dans le temple, voilà. Par contre, c'est quand même bizarre qu'ils soient ouverts comme ça. Bah oui, sans personne, quoi. C'est. Bien. J'ai envie de dire, je regarde le tronc, il n'y a même personne pour regarder le tronc, c'est quand même... Enfin, s'il y en a un. Alors, il y a le tronc, il y a de l'argent dans le tronc. Voilà, je ne voulais pas checker s'il y avait de l'argent dans le tronc, monsieur. L'intérêt est de susciter l'intérêt des autres joueurs pour qu'ils fassent une connerie avec un dieu, pas moi. Marc, tu peux payer ta dîme, hein. Alors, ouais, mais vu que je me sens menacé, tu vois, j'hésite, tu vois. Je me sens pas assez en sécurité dans ce temps pour sortir mon argent. Mais c'est pas parce que t'es paranoïaque qu'on veut se faire tuer. Hein. Et ah, c'était tout. Alors ouais. Alors moi je suis pas d'accord pour fouiller le temple. Hein. Ça reste quand même un temple. Et même si on se sent pas bien à l'intérieur, moi fouiller un temple, voilà quoi. Ouais. Ceux qui veulent fouiller le temple, ils font le moi, je suis superstitieux. Hein, ouais. Et plus je reste près de la rue, mieux je me porte, hein, moi. Ça reste pas dans le temple, moins possible dans le temple. Mais le temple, non. Mais le temple n'a rien à voir, c'est juste que le dieu, il nous prévient, c'est tout. Il nous prévient que c'est la merde, c'est tout. Hein. Le temple n'a rien à voir là-dedans. On n'y va pas avec de mauvaises intentions, on veut juste savoir si le temple n'a pas été profané pendant l'absence des prêtres. Moi, je sais pas comment on fait ça. Bah, quelque part, tu as marché avec tes chaussures sales, hein, tu l'as profané un peu, donc Putain, oh non. Non, mais attends, pourquoi les duels, tu poses des chaussées? J'ai échoué. Personne d'autre? C'est un jet de quoi? De fouille. De fouille. Avec Cep, on est retourné dans le... C'est raté pour moi aussi. Dans le banc ou pas? Moi non. Moi j'ai juste le genre que j'ai donné l'info, mais je suis pas resté. Vous ne trouvez rien de flagrant. Ok, bon. On pourra poser la question si on retourne carrément dans la foire aux prêtres de Buggenhauer, s'ils sont sur place. Pourquoi il n'y a personne dans leur temple et pourquoi on se sent si mal là-bas, mais pour l'instant... Et pourquoi il est ouvert au cas de vent? Aussi. Bah, parce que c'est du tutélaire de la ville et que c'est la foire, quand même. Hein. Donc, ok, quand même, non. Hein. Oui. Ouais, ou alors c'est parce qu'ils sont vraiment trop mal dedans et qu'ils se barrent à cause de ça, quoi, mais bon... Non, là, franchement, là, tu vas un peu loin, là, quand même. Non, mais, d'un côté, il y a Sidney Mallard qui a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le temple. Bah, clairement, oui, on se sent pas bien dedans. Vous l'avez fouillé, vous avez rien trouvé, donc bon... moi, je veux bien qu'on continue à fouiller, à la limite, mais moi, j'ai pas envie de fouiller les affaires des prêtres, quoi, ça me... Voilà. Ah, vachement RP, ça, bravo. De quoi? Nous avons échoué nos tests de fouilles, vous voulez pas essayer? J'ai dit, c'est vachement RP, ça. Ouais, on n'a pas eu la main heureuse. Ah, mais de toute façon, cherche pas. Moi, je ne fouillerai pas les affaires dans un temple. Oui, mais c'est pas le seul au monde, Fred. Oui. Oui, mais les autres, t'ont dit qu'ils n'avaient pas spécialement envie. Bon, bah, tant pis, c'est rien. De toute façon, on a d'autres pistes, hein. On sait qu'il y a un truc avec Buggenhauer et le temple. Ouais, je vais tester quand même de fouiller, parce qu'on sait jamais. Mais je le fais contre ma volonté. Hein, voilà. Il met pas du tien. Si tu rates, c'est fait exprès. C'est-à-dire que j'ai 17%, si tu veux. Donc, le chiffre de la bête. C'est pas facile, quoi. Ouais, moi, j'avais 14%, donc... Tu ne trouves rien non plus. Bon, donc définitivement, il n'y a rien. Et si l'elfe n'a rien vu, c'est qu'il n'y a rien à voir. Excusez-moi. Ok. Bon, alors maintenant... Vous avez décidé de ce que vous allez visiter, là, maintenant ? Moi, je vous proposais le chef de la guilde des marchands, éventuellement, mais apparemment, ça plaisait pas. Moi, j'irais bien voir le hangar, quand même. Pareil, le renseigner sur le hangar, ça me va plus, déjà, tu vois. C'est safe, ouais.
Ok, bon, bah écoute, moi je dis le hangar, alors... Même si je pense qu'on va nous dire qu'il appartient soit à un des deux qui reverse de l'argent, tu vois. Mais ouais, le hangar, et à la limite, si tu veux vraiment pousser sur la patrouille, mais... J'avais l'impression que, ouais, c'était faire tous les bordels, mais c'était il y a quelques jours. Donc là, ils ont peut-être fini leur perme. Enfin, je sais plus si leur perme devait durer combien de temps. Elle devait durer tout le festival. Ok, ils sont bourrés quelque part au fond d'une allée. On fouille toutes les allées. Mais ouais, le hangar, pourquoi pas. Mais après, on peut faire deux équipes, hein, si vraiment t'as pas peur. Non, non, on a peur, justement. Et on fait pas deux équipes, on reste... Ouais, je suis d'accord, parce que c'est un peu trop dangereux. On essaie toujours de nous tomber dessus. Et on sait pas pourquoi. On s'en doute un peu, quand même, là. Oui, parce que... On enquête sur ce qu'il faut. Parce qu'on fait chier. Non, c'est qu'on empêche des gens de faire ce qu'ils veulent, et... Pas mieux, hein. Toc. C'est parce qu'on a tué leur démon. Ah, aussi. Bon, tant pis. Et j'insiste sur le « on » en regardant moi et Dorntal. Alors... ça tue des démons et c'est pas capable d'aller fouiller un temple, hein. Ça, je dis rien. Non mais... écoute, va te refâcher avec ta déesse et on en reparle. Ouais. Justement, nous on tue des démons, mais on respecte les dieux, tu vois. Donc quelque part... Ça fait la pluie aussi, hein, je te le rappelle. Mais je voulais pas le faire. Donc, mais Dieu, tu es faible et tu as craqué. Dieu, il connaît l'intention. Et Dieu, il me connaît, il sait que j'ai raison. Voilà. Hein. Nous, on connaît les couleurs des culottes du grand prêtre. Alors, du coup, vous décidez d'aller au fameux entrepôt. Ouais. Ok. Alors. L'entrepôt numéro 7. Quand vous arrivez, vous voyez que l'entrepôt est... Et il y a des gens autour ou tout le monde a déserté? Pardon? Il y a des gens autour ou tout le monde a déserté? Une question? Bah, il n'y a pas l'air d'avoir gros passage. Question? Oui. Il dure combien de temps le festival? Encore un jour ou deux. Mais en tout, ça fait combien? Vraiment, c'est une journée de plus que Basson plein, et il y aura encore des gens qui seront là pour le marché tant qu'il y aura du commerce à la fin. Je crois pas que ça soit la question. En gros, la question, c'est est-ce que le festival dure 7 jours, l'ordre septenarius, et machin truc, et que le chiffre 7, c'est un peu le chiffre de la ville, quoi. Genre que le 7e jour du festival, ils feront leur rituel à la con, je sais pas quoi, tu vois. Le 7e jour du 7e mois, et tout, quoi. Dania durera 3 journées, ouvrira du lever du soleil et du coucher du soleil. Voilà. Bon, 3 jours, non. C'est mort. Alors, 3,5 jours, c'est la moitié de 7, quoi. Je dis ça, je... non, la moitié de 7, de CEP, c'est SE. Hein. C'est peut-être PP aussi. Aussi. Si vous voulez provoquer un grand chaos, vaut mieux pour eux pas attendre la fin du festival. Alors, quand vous arrivez à l'entrepôt 7, vous pouvez remarquer quand même qu'il y a un symbole sur l'entrepôt. Alors. Hop. C'est une espèce de fleur. Hobby, toi qui joues à L5A, c'est le mode de quelle maison ça? Écoute, je mets du fleu sur la fleur, je regarde si elle éclot. Je connais la référence. Alors, espèce de. T'as envoyé quelque chose ou. Non. Non. J'allais dire, dans Cyberpunk, c'est pas le symbole d'Arasaki, la boîte de. Je demande à un badaud à qui appartient l'entrepôt et. Enfin, je demande autour, hein, je pose des questions sur l'entrepôt, à qui il appartient, etc. Bah, faut quasiment que tu fasses 2 ou 3 entrepôts avant de trouver du peuple. Hein. Ouais, bah, t'as dit qu'il y avait quelques personnes, donc. Je t'ai dit qu'il y avait pas grand monde. Bah, pas grand monde, c'est pas personne en fait. C'est qu'il y a quelques personnes, c'est ça. Quand tu t'éloignes un peu, t'arriveras à trouver un ou deux entrepôts de là. Oui, bah, je pose des questions sur à ce moment-là qui appartiennent ces entrepôts, s'ils ont tous la même, le même symbole. Je sais des pas. Mecs avec
Vous y allez en fait à plusieurs ou qui va tout seul? Tous ensemble. De préférence, il y a des mecs avec une comment s'appelle une boucle d'oreille avec celle à avec la boule et la corde. Voilà, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, écoute, tu me fais ton petit test de commérage. Tu veux huiler la machine, tu me le dis. Alors, test de commérage. Tu veux huiler la machine, n'hésite pas, tu me le dis. Ben, est-ce qu'il faut le faire avant, il faut huiler avant ou après le test? Je pose la question, parce que c'est, pour moi c'est du technique là. On peut payer avant, tout de suite t'as un bonus, sinon bah tu le fais dans ton bonus et... Alors 44 sur 41, bah je veux bien huiler, mais le truc c'est que j'ai aucune idée des sous que ça vaut, donc bah ça va être une pistole ouais, quoi. Sinon tu peux utiliser combien? Pistole. Une pistole. Ouais, pour une pistole ils vont me donner la réponse. Voilà, l'entrepôt appartient à la famille Toygun. Et je continue à poser des questions par rapport à cette histoire de gobelins. Hein. En fait, le truc, c'était aussi de poser des questions sur le gobelin, s'ils savent ce qui s'est passé. C'est quand même un gobelin à trois pattes, c'est quand même pas commun. Alors, eh ben, vous allez me faire un petit test de... De commérage, tiens. Donc vous, c'est tout le monde ouais. Je suppose. Je refais donc. Réussi. C'est pas pour la même chose. Réussi 54 sur 42. Je vois rien passer d'autre que vos deux jets là. Bah pareil. Oui, parce qu'ils arrivent, les autres, il faut qu'ils se lancent. Ok. Panish. Oui. Un test de commérage. Eh, hey, relance Je vais péter la gueule par le truc que tu as fait. Ah, si. Alors, Si, on va lancer. On va relancer quand même. T'es sûr de vouloir le lancer? Un point de fortune que tu utilises, hein? Non, franchement. Alors, honnêtement, c'est pas forcément nécessaire, hein. Non, ouais, le fais pas. Mais non. De toute façon, c'est toi qui casses la gueule, c'est bon. Ah oui, c'est moi qui casse la gueule. Et si tu veux choisir de le relancer, relance-le, mais je te dis, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Ce que tu vois, Béatrix, c'est que au fur et à mesure que vous discutez avec les gars, en fait, t'as l'impression que les mecs ont l'air d'être plus en connivence entre eux qu'avec vous, en fait. Et tu remarques aussi que ils ont commencé à appeler de leurs copains. Tu veux dire que petit à petit ils rameutent du monde quoi. On a des gens à interroger, j'ai envie de dire maintenant. Vous connaissez faire. Je chuchote à Sepp si les mecs qui les ont agressés, ils avaient aussi des boucles d'oreilles ou des. Ça va être purement technique hein, parce que je vois pas comment te répondre à ça. En réponse c'est non. Et j'avais demandé et j'avais raté mon jet d'un point de vue purement technique. Hein. Donc j'en sais rien, je courais. Non, parce que je te préviens quand même qu'il commence à en avoir des qui arrivent d'un peu partout là et que ça, je suis pas à l'aise. Attends, je vais tenter un bluff. Je suis content d'avoir pris mon arbalète. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu es content d'avoir pris ton craniche. Aussi, avec mon arbalète et son arbalète. Double tentative. Tu t'aperçois quand même que mine de rien ils ont quand même réussi à être le double de vous en fait. Ouais, mais j'ai un craniche. Et alors donc, justement, à un moment, vous essayez quand même d'engager la conversation. Donc les mecs ont l'air de discuter et tout ça machin. Ils arrivent même à entraîner Kranich sur une discussion où finalement Kranich se laisse un petit peu aller à dire que oui ils sont un petit peu en train de vous êtes un peu en train de farfouiller en ville et les mecs disent on le savait de toute façon c'est temps quand même d'arrêter de foutre la merde en ville vous commencez à importuner des gens puissants vous savez pas ce que vous faites et donc bam Kranich prend le premier coup de poing. Ah oui, c'est ce que je me disais. Il prend un point de dégâts. Ouais, mais c'est bon, justement. C'est...
Oui. T'as arrêté avec tes dents, tu sais, c'est bon, c'est fait pour ça, les dents. Non, mais je l'ai arrêté, en gros, je l'ai arrêté avec le casque, quoi. Non, non, pas, tu le prends quand même, hein. Voilà, avec les dents. Je dégaine mon épée. Je sors là, bah, je prends mon arbalète, hein. Ah, ils sont... Je fracasse la gueule du mec qui m'a frappé. Ils sont quand même le double de vous, hein, et ils ont pas l'air... Alors, par contre, ils sont à main nue, hein. Ouais, pas moi. Bah, initiative. Arc. On va tous finir en tôle. Ah, on s'est fait agresser, hein. On fait un limite, c'est ça? Oui. Ouais. Vous vous souvenez comment on fait? Ouais, on appuie sur le bouton init. On appuie sur le bouton init. Bien! Bonne réponse, j'y attendais. Sauf que moi j'ai un moins 10. Donc, je suis à 40. Enfin, de toute façon, vous l'avez sur eux. Vous voyez qu'en fait, les mecs commencent à essayer de vous patater tous. Ils vont se mettre à deux sur vous. Ah. Ils vous prennent à deux contre un à main nue. Ah bon, on va rétablir l'équilibre avec nos armes. Hein. Ah, c'est vrai, c'est... par la défense. Enfin, pour moi, en tout cas, ça va être sûrement de ça. Hein. Il y a de grandes chances aussi. Eh bah, faites tous parade défense, ou il y a des gens qui font de l'attaque à outrance hein. Moi je ferais bien parade attaque, juste pour montrer que... Ouais non mais excuse-moi, non... quand parade défense c'est parade attaque. Oui, parade attaque, oui, j'ai compris que c'est ce que vous voulez aussi. Non, moi je fais une parade totale, j'attaque pas. D'accord. Ça y est, via l'autre qui nous la joue, Love Power, Peace and Love et tout. Non, mais il veut son titre de tueur de démons, donc il tue plus les autres personnes. Non, par contre, les mecs vous attaquent en, vous font attaque brutale à deux. Hein. Ah, au moins, c'est vite fait. Dental, tu te défends, ok. Kranich, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaquais, vas-y, fais ton jeu. Oui, j'attaque, et puis je me prépare à faire une parade, quoi. Vas-y, vas-y. Échec. Ensuite, c'était Matrix. Bah, moi, c'est une parade d'abord. Et après... Non, attends, c'était pas Matrix, pardon, c'est Seb, excuse-moi. Et de couleur perso. Ah, vas-y, fais ton attaque. Okay. Je peux utiliser, vu que je suis à 29, je peux utiliser un point de fortune pour faire une réussite? Ou si tu veux. Bah ouais. Est-ce que j'ai le droit de parler en même temps ou pas? Non, bah non. Et tu peux lancer 2-3 mots, mais dire plus. Ouais, donc non, je vais le garder pour... Tac, tac, attends, je retrouve c'est combien? Oui, plus 3. Alors... 4, non. Merde. Hop, non, c'est un point d'exclamation, bruit, il me fait ce symbole chelou. Non, plus 3, moi, c'est... toujours plus 3. Mais... Oh, putain! Ah. J'ai le droit de dire que je suis pas avec. Et les mecs, je suis un elfe, je suis pas avec eux. Mais tu vas y arriver? Non. Vous êtes du GD aujourd'hui? Point d'exclamation, 1 des 10. Non mais. Ouais, il est dyslexique du GD. Putain, il se fait que ça attendre. Allez, vas-y, lance ton jet de. Ah non, j'ai CC. CC. Tu étais à l'arbalète, tu m'as dit. Ah ouais, mais comme tu me disais qu'ils étaient au contact 2 contre 2, donc je supposais que l'arbalète ça servait plus à rien en soi. Ah d'accord, j'ai rien compris moi. Tu m'as dit que t'étais à l'arbalète. Ah bah ça me va, hein, je suis à l'arbalète, mais à l'arbalète à ce moment-là j'ai réussi sans utiliser de point de fortune. Parce que j'ai 33. Comme tu m'as dit, t'avais une arbalète. Ah ouais, non, mais je pensais que. Bah ce que t'avais dit du combat, pour moi, mon arbalète venait caduque vu qu'il était au contact, mais non, bah, ok, ça me va, moi. Tu lui fais, le mec tombe par terre, en souffrant le martyr. Je fais ma défense d'abord. Hein. Bah non, tu fais ton attaque. Ça marche pas comme ça. Ah oui, moi, je fais mon attaque, ok. Ok. Ça passe. Et bah tu fais tes dégâts. C'est un bonus de 33.
Ouais, exactement, docteur. L'épée, c'est un... Un dédi plus sa force. Youhou. Eh ben, ça me fait 9. Ok. Le mec se prend une méchante entaille. Bon aim. Alors. Oula. Alors. 5 morts. Des joueurs. Donc, le premier attaqué Kranich. Il a loupé son truc, il part là-bas. Ouais, il part à la bagne. Ouais, et il... le deuxième te touche, je crois. Alors, je comprends pas aussi le il part à la bagne pour le coup. Ah, il tombe à la flotte. Alors. Il... Comment ça, il tombe à la flotte? On est à côté des. Ah, on est sur les entrepôts sur les quais. Ok, ouais. Ah, ouais, ouais. Voilà, des dockers. Il est gêné par ses camarades, il part et boum, il se casse la gueule du quai. En fait. Alors, Béatrix, tu me fais un jeu de défense, s'il te plaît? J'avais fait un succès à 5 juste au-dessus ton descend. Ah d'accord, ok, ça va, y'a pas de soucis. Prends quand même une attaque. Tu te prends 7 dans la gueule, ça je pense que c'est du dégât stunnant. Alors attends, par contre, bouge pas. Tu vas me faire un jet de CC, s'il te plaît. Hop. Eh ben, c'est raté. Lui aussi. Pas grave, il n'est pas assommé. Le premier te touche. De... Ah, mais non, oui, du coup, t'es... tu peux esquiver si tu veux. Ouais. Tu fais quoi comme jet? Esquive, tu vois. Esquive? C'est quoi? C'est, un... c'est dans les talons? Ouais, si tu l'as pas. Il est pas de base, non? Il n'y a pas de possibilité que je l'aie. Et bon, bah alors, merci. Et hop. Arf. Le premier te fait un point de dégâts. Mmh. Et le deuxième, il va te faire 10 points d'endurance. Allô? Ouais, 10 points d'endurance. Ok. Et peut-être aussi mon armure, non? Tabou. 43, oui, t'as de l'armure sur le 43? Normalement, j'ai une armure, j'avais acheté un truc de cuir complet, donc oui, après, bah, c'est je bon, vois alors, que c'est pas à jour. Oui, tu peux. Tac tac tac. Donc attends, donc 1, attends. Donc ça passe à 11, et l'autre tu m'as dit 9, donc moins 1, 8, et le moins mon endurance, c'est où endurance? Non, pas mon endurance, c'est mon BE, c'est ça? Non, si, je sais pas. C'est ton BE, c'est ça. Ouais, donc 3. Ok, Onaim, tu fais ta défense? Un jet de CC, c'est ça? Échec, mais j'utilise un point de fortune pour le transformer en réussite. C'est sûr? Ouais. D'accord. Ok, là bas. T'as quand même. Ah, je suis pas synchronisé. Tu prends 3 points de dégâts. Ça réduit. Tu t'es réduit un. Les mecs donc, vous ont patété en fait et bah vous voyez qu'ils commencent à rompre le combat en fait. Bon, tant mieux. Celui qui est au sol et qui s'est pris une flèche. Le carreau, bah lui il est en train de reculer, en gémissant. Hein. Ok. Voilà. J'ai envie de lui dire reviens, on a un médecin. Mais j'hésite. Voilà. Donc bah ils s'en vont en emportant leurs deux blessés. Qu'on vous y reprenne plus! J'ai grave envie de réarmer et leur recoller une, hein, moi, je t'avoue! Hein. on n'essaye pas d'en choper un pour. Bah, c'était l'idée, hein! Bah oui, mais il faut en choper un, justement. Qui court? Bah, je peux m'en charger de ça. Bah, vas-y. Ok, j'ai envie de choper celui qui. Bah, d'en choper toi, En fait, les mecs se couvrent, en fait, c'est-à-dire que les deux blessés partent couverts par les autres qui sont reculés, quoi. C'est chargé, tu charges ouais, pas. Ouais, bah, hein. je m'en fiche, je charge. Voilà, donc, tu charges à la hallebarde, c'est ça? Je charge pas à la hallebarde, je pime ma hallebarde à. Ne la laisse pas tomber? Tomber. Bon, bah, écoute, à Béatrix, elle sera mieux la tenir. Mon dieu. Tu fonces sur un gars, bah, ok, bah, vas-y. Je prends le premier qui vient, quoi. Mmh, bah, je dis, je fais.
Avant de l'attraper, je lui fais viens ici, j'ai quelques questions. S'il veut toujours pas venir, Ah bah vas-y, fais ton jet de CC. Ton micro il a le don du suspense quand même. Hein. Clairement. La magie coupe au milieu de tes phrases. Ah merde. C'est chiant ça. Désolé. J'ai compris ce que tu voulais, hein. Mais oui, vraiment, oui. Je vais lui dire. Et puis d'un coup on était là et qu'est-ce qu'il va lui dire? Sincèrement, pourtant je parle normalement. Hein, mais bon. Oui mais ça coûte sec en fait. Hein. Donc. D'accord. Bon bref. Allez. Donc il veut pas venir, donc c'est ça. C'est ça. Alors, tu es en train de le charger, t'as plus 10. Hein. Eh ben, ça passe pas de 2. S'il faut, je le couvre à l'arbalète. Hein. Fortune pour, un plus de ouais, ouais, je vais utiliser pour, un point de fortune pour rajouter 10 et ça passe. D'accord, ok. Pour enlever en fait. Oui, pour enlever 10. Alors, attends juste une seconde. En plus, mon bouquin de règles qui est juste à la limite de mon casque. J'arrive. Voilà. Donc, tu arrives à le toucher. Alors, est-ce qu'il arrive à te parer ? Raté. Ok. Donc, est-ce que tu peux le patater, garçon ? C'est tes dégâts. Alors, regarde tes points. Combien, toi ? J'attends que... Bah, c'est pas... Regardez si t'avais bagarre ou quelque chose. Par contre, t'as quoi, sûrement ? Oui. C'est l'arme qui lance ça, non ? Non, non, quoi, sûrement ? Il l'a dans ses compétences, en fait. Dans ses talents. Ouais, je fais un coup assommant, quoi. Alors, bah écoute, tes dégâts, c'est... Je te redis ça, le point, je crois que c'est 1 des 10 moins 3. Moins 3 ? Je crois, je vais ensemble. Ah, tu tapes moins fort. Hein. Alors, Manu, BF moins 4, même. BF moins 4. C'est BF-4. Attends. Donc du coup ça fait un moins 1, c'est BF-4. Oui si t'as 3 en force, oui. Donc faut pas faire 1. Et ben, je... Et 1. Autant dire que tu vas pas l'assommer. Non, je fais 2 avec le moins 1. Oui, non mais même. je fais rien quoi. Si, ils sont quand même impressionnés. C'est juste comment tu utilises ta compétence. Talent bah, je l'avais un bleu quoi. Tu l'as marqué, c'est bon, on va pouvoir le pister. Goût de son sang. Rien, tu peux. Tu peux, au lieu de faire des dégâts, je veux dire, tu peux choisir de faire un test de force, pardon. Ah, bah, je fais un test de force. Oh bah. Alors, lui, il va faire un test d'endurance. Échec. Ouais. Un échec. Allez, hop. On t'arrive à lui foutre une petite patate. Alors, mais bien placé comme il faut. C'est ça. Et puis, la seconde d'après, tous ces petits copains te sautent dessus. Ah. Ah, bah oui, en même temps... Tire l'arbalète. J'ai dit que je couvrais avec l'arbalète, donc si j'ai pu recharger, je tire. Plus que 5. Je vais charger, alors. Je vais charger, pardon. Je vais faire la... Je vais faire la berserk pour les faire fuir. Les trois... ces trois copains te tombent dessus. Tu peux tenter l'esquive si tu veux. Ouais, bah, je vais faire une esquive. Hein. Vas-y. C'est ça. C'est esquive. C'est une compétence esquive. Ah oui. Il me semble que tu l'as. Oui, je l'ai. Ah, allez, toi, sur quoi, c'est sur agilité, c'est ça? Je crois, oui. Ah, oui, c'est agilité, ouais. Je vais faire. Faire juste. Indécent quoi. Et c'est raté de loin, de très très loin, de. Ouais, il te reste des points de fortune si. Enfin, si t'as envie. Ouais. Ouais, oh, je vais manger un pain, c'est ça ou deux? Là, ouais. Tu vas t'en prendre trois. Trois? Oui. Je me suis pris des. Bah, de toute façon, avec une esquive, tu peux en éviter qu'un, hein. Donc, bah, tu vas prendre 3 points de dégâts, c'est bon, tu peux tolérer. Hein. Ouais. Ok. Alors. C'est des dockers, hein, je te le rappelle. Oh, t'as de la chance. Wow.
Ah, t'as de la chance. Il y en a un qui est vraiment pas doué. Dans tous ces sites d'assommer, ça n'a pas marché. Il y en a même un qui se retrouve au sol. Vas-y, mords-y l'œil. Donc, voilà, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que je chargeais pour aider... Granny, tu payes ta bière? Non, ce salaud. T'as fait une flèche, ok. Moi, ouais. si j'ai pu recharger au tour d'avant, je ouais. Tire pour le couvrir. Bah, vas-y. Allez. Raté. Ensuite, Tlon, ta charge? Ouais, je charge, mais je plus pour les intimidis qu'autre chose, mais bon. Ouais, bah, vas-y. Charge! Bah, ça a réussi en plus. On va quand même annoncer ta divinité tutélaire quand tu charges. Hein. Les dégâts? Ouais, c'est bon. Et ouais, okay. Ça y est. Il s'est pris de méchante entaille à la tête, c'est bien. Kradish, faire tes dégâts. Bah, tu peux faire ton attaque, je veux dire. Ah ouais! Attends, deux secondes. Ah ouais, c'est un coup de poing pour voir. Hey, tu veux assommer ou tu veux patater? Bon, on va réassommer. Hein. Bah, vas-y. Tu fais quand même des dégâts ou pas? Non, non, tu fais juste le descend. Juste le test de force? Ok. Et c'est okay. Un échec. Ok. Dental? Oh bah je fais rien. Oh, et, ça c'est pas cool. Elle enfoiré. Un cool, y a... ça va, vous êtes trois, y'a Kranich, ils sont trois, c'est bon quoi. Donc, et il y en a qui sont deux en fait, parce qu'il y en a deux qui sont pas. On m'a parlé. Oui, oui. Oui. Comment ce que tu fais? Je vais charger aussi. D'accord. Et du coup, qui c'est qui tient ma hallebarde? Le sol! Je crois que Béatrix a laissé tomber. Ouais. Je suis venu t'aider, c'est bon. Je peux l'aider. Ou alors, peut-être qu'un elfe consciencieux l'aurait ramassé en échange d'une bière. Quand tu fais une charge, t'as juste plus. D'accord, bah c'est un échec. Ok. Bon, bah. Les mecs commencent à se carapater, ils en laissent deux sur le carreau. Ah, vous entendez aussi? À la garde! Cops, vous êtes en état d'arrestation. Ah, non, ça marche pas. Bon allez, on chope ton... En hurlant à la garde, quoi. On gueule aussi à la garde, hein. Je gueule aussi à la garde, hein, parce que voilà... Hein. Ça vous dirait pas qu'on ramasse les deux gus et qu'on les met dans le bateau, histoire de les camoufler un petit peu? Moi, je serais plus à les ramener chez Verena, mais... Ouais, qu'on prenne un mec simplement et qu'on parte avec pour l'interroger, quoi, mais qu'on se casse, quoi, parce que... Ouais, mais à Verena, c'est loin, non? Plus loin que le bateau, quoi. Ouais, mais ça nous donnerait un petit spell égal, en fait. Oui, mais je veux dire que dans le bateau... Faites comme vous voulez, il faut aller vite, là pas, tu vois. Oui, c'est ça, faut se casser rapidement. Alors, sachant qu'il faut que vous traversiez quasiment la moitié de la ville si vous voulez aller au Beribéli. Hein. Ah, mais je croyais qu'on était sur le quai. Oui, vous êtes sur le quai, mais sur le quai, loin du Beribéli. C'est quoi le plus près? Alors, attends, je vous dis à peu près dans quel coin vous êtes. Cac. Ou alors on va dans les... Ah, bordel! Chez nous. Un souci avec ma souris, on dirait. Ouais. La nuit du fromage. Non, mais j'ai ma souris qui fait des trucs bizarres, là. C'est-à-dire que la carte et le dessin que t'as fait sont pas en face de l'un de l'autre, quoi. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas voulu ça. J'étais en train de me déplacer avec la main et je me suis retrouvé à faire du dessin. J'ai pas compris pourquoi. Alors, vous êtes dans ce coin-là, en fait. Alors, si vous voulez revenir au Beribéli, je vous rappelle que le Beribéli, c'est, c'est le truc 24, là. Ouais, bah, c'est limite plus près des temples que du Beribéli. Ouais, mais par les temples, faut quand même traverser des rues, quoi, où il y a des gens. Donc, déjà, ils sont, festival, on s'en fout d'une ruelle avec un gars. Hein. On va pas chercher, parce que la garde va arriver, et si on doit justifier, c'est de toute façon, il faudra qu'on dise qu'on vient pour le temple de Verena. Hein. Ouais. Bah, attends, on a capturé des gens qui nous ont agressés alors qu'on est en enquête. C'est pas faux. Qui nous dit qu'on gênait des gens. D'accord. On était en train de faire le quai. Rigolo, c'est en inverse. Dit en passant, oui. Soyez en passant, vous en ville, vous avez aucune autorité. Hein. On est... Donc voilà. Donc vous me dites juste que vous partez. De toute façon. Autant... Eh merde. Moi je porte. Ni un humain, ni une hallebarde. Hein.
Le relou. Alors. Moi, je pense. Alors, je le dis clairement, il faut qu'on se sépare, de toute façon. Oh putain, c'est pas le bon plan. Non, ils vont chercher un groupe de notre nombre. Point. Moi, ah ouais, j'ai rien fait. Et je dis ça, et je me carapate vers le sud. Moi, je vais pas attendre que les gars viennent. On l'amène au Beribelli ou au temple déjà pour savoir. Au temple. Au temple. Bon bah, qui prend. Rendez-vous au temple. Qui porte le corps. Je suis bien loin, moi. Je veux pas plutôt que ce soit Kranich, lui le plus endurant là-dedans. Ouais, c'est un putain de magot, vas-y, laisse le faire, quoi. Oh, vu une minute par où. Comment on fait tru. Oh, bah, dégueulasse. Tu me dis par où tu pars, tu peux signer sur le plan, ah bon dans ta couleur. Enfin, tu peux prendre ton personnage et le placer dans la direction à laquelle tu pars. Non, tu veux pas dessiner sur le plan, en fait. Le CEP, il va par là. Exactement vers la muraille, en fait. Rien, enfin, je sais pas par où sont partis les autres, en fait. Ils sont partis par où, les gars, gueulés à la garde. Ils sont partis vers le... vers le nord, oui. Ils remontent vers le Beribelli, en fait. Voilà. Voilà. Hein, c'est par là. C'est pas mal. Alors, moi, je vois Dormtal, je vois personne d'autre. En fait, être placé. Moi non, parce que j'ai pas le plan, je t'ai balancé un petit. Alors oui, j'ai vu que t'avais popé quelque chose, toi. Et tu m'as popé une fenêtre de plus, en fait. Mm-hmm. Fenêtre de chat. T'as plus accès au plan, c'est ça? Bah ouais. T'as fait fenêtre, affichage, un plan. Si tu me poses la question à moi, mon rôle Steam est complètement planté, donc là je viens juste de me reconnecter, c'est tout. Ah, d'accord. Avec la 1.9, ça sera réglé, ça, parce que tu récupéreras le plan quand tu te reconnais. Enfin, tu devrais déjà le faire maintenant, mais bon, c'est bizarre. Ça marche peut-être pas, parce que c'est moi qui suis le serveur, et c'est... Tu peux le MJ, donc du coup, ça... C'est ouais, service de merde, ouais. Excuse-moi, c'est qui le MJ qui en 3 semaines, a pas eu le temps de récupérer la nouvelle fiche de perso, hein. Nya. Alors, Onaim, tu pars dans quelle direction, toi? Je suis Kranich et... Et Sep? Non, pas Sep. Kranich et Dormtal. Non. Kranich et... Alors, Kranich, tu pars dans quelle direction? Il faudrait peut-être lui poser la question, il faudrait qu'il réponde. Kranich et Béatrix, parce que c'est Kranich qui soulève le corps, c'est ça? Béatrix, elle suit Kranich qui porte le corps, mais... Oh, c'est confus cette histoire, hein, pour deux bus, quoi. Ah, okay, mais c'est d'accord. Surtout Kranich, on sait pas où il va, donc... C'est bon, il vient de popper. Ah, mais on l'entend plus, par contre. Kranich, si tu nous entends... Ah, désolé, c'est parce que j'avais... Oui, non, c'est bon, c'est parce que j'avais le micro coupé. J'ai dû appuyer dessus sans... Ouais, expliquant peut-être cela. Voilà. Donc vous séparez comme ça, ok. Dormtal, t'as juste le temps de remarquer que tes petits camarades de Docker qui étaient devant toi, ils vont tourner à un entrepôt pour essayer de partir vers la direction du centre-ville. Les autres, vous me faites un petit test de discrétion quand même. Parce que la position où je me suis mis, c'est, t'as pensé que c'est la direction que je prenais en fait. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai pris, moi, oui. Non, mais ça va, je me suis mis là juste pour dire que j'étais... pour pas me mettre sur l'orange, en fait. Mais j'étais... simulation. Pas, c'était le... Non, déplacement silencieux ou simulation. En fait, je serais passé par là, quoi. Mais... D'accord. Bah, tu les verras quand même faire à peu près ça, sauf que tu vas les suivre, en fait. C'est à peu près là qu'ils vont bifurquer, en fait. T'as fait un échec à 27, mais tu dois avoir eu une salle de merde dans ce truc. 22. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai réussi en fait. Dissimulation. Dissimulation. Je fais 49, je pense que c'est raté, mais comme j'ai pas la feuille de perso sous les yeux, je sais pas trop. Moi c'est réussi, hein, dans le sens où je claque un point de fortune. Non, mais tu t'emmerdes pas à claquer un point de fortune là-dessus. Ah bon? Toi donc, Seb s'y réussit. Pas de soucis, t'as
arrive à te esquiver. T'es tout seul en fait, donc t'es moins facile à suivre que les autres. Normtal, tu l'as pas fait ton jet. Bah non, t'as dit les autres en fait un jet. Comme tu parlais à moi avant, je pensais que c'était moi. Oui, non, mais de toute façon, toi tu les, toi, pas tu les autres. Les suis, donc de toute façon, voilà quoi. Quand tu les vois tourner, tu les suis en fait. Le chemin qu'ils sont en train de prendre, c'est le chemin qu'ils prennent. Bah non, je vais tourner avant, histoire de les laisser partir devant, histoire de qu'ils m'emmerdent pas parce que je suis tout seul. Voilà, mais c'est tout quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoute, tu es distancé quoi. Ouais. Tac. Et ben vous, les autres, là, les trois drôles qui vous trimballaient un mec assommé, vous tombez pile poil sur une patrouille. Voilà. Évidemment. Non, c'est pas drôle. Ah bah. Bon, bah, donc, il va falloir argumenter. Vous trimballez trois, enfin, vous trimballez un corps, et à coup, vous tombez sur une patrouille de 5 gars. Un sergent et il y en a un qui porte un sifflet à ses lèvres. Arrêtez-vous! Ah bah, on se retourne et puis je refais grand signe. Ah, enfin, vous êtes là! Donc, bah, il y a des mecs qui viennent tout autour de vous et vous menacent avec 4 halbardes et une épée. C'est pas la peine de vous menacer, c'est nous qui avons été menacés, justement. On cherchait une patrouille. Tu vas comprendre ce que c'est le réalisme dans Warhammer, en fait, là, je pense. Mais... fais-moi ton petit jet de charisme, vas-y. Régale. Allez. Un petit malus. Mon petit boobs. Bon, je pense que je vais relancer un point de fortune. Putain. Scheiße. Alors, tu commences à... C'est vrai, parce qu'il n'y aurait pas eu le malus, tu aurais réussi, mais bah oui, c'est ça, une situation extrêmement compliquée. Voilà. Tu commences à alors, au début, il y avait des dinosaures. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, ils vous font signe quand même de faire tomber vos armes. Voilà. Ils n'ont pas l'air de... Bah, on va faire tomber les armes. Kranich, qu'est-ce que tu fais? Kranich, tu laisses tomber les armes. Bah, de toute façon, j'ai le mec KO, donc je pose gentiment le mec KO, puis bah, je laisse tomber ma... Je défais ma ceinture, puisque je n'ai que mon épée, donc je laisse tomber la ceinture. Je détache la ceinture qui tient l'épée. D'accord. Et toi, Onem, qu'est-ce que tu fais? Je pose ma hache, je pose mes armes. D'accord. Elle est où la barre? Vous êtes accompagné jusqu'au poste de garde, qui est pas loin, autre poste de garde. Et là, bah, on va vous interroger pour savoir pourquoi vous avez agressé un pauvre docker. Ben non, ils nous ont agressé. C'est l'inverse, ce sont des dockers qui nous ont agressés, et on s'est défendu. Ah donc, on va effectivement vous garder un petit moment, en fait. Et je sais pas, presque la demi-journée en fait à vous expliquer avec la garde. Est-ce que entre temps nous on peut faire autre chose? Bah oui, je pense, parce que vous êtes libre. Ouais, donc finalement vous retrouvez tous les deux devant le temple de. C'est le temple c'était de Verena, moi. Ouais. Oh, c'était Verena. Vous vous retrouvez devant le temple de Verena, et les autres n'arrivent pas. Bah de toute façon, moi qu'ils arrivent ou pas en fait. Je vais monter voir directement la grande prêtresse pour lui faire un rapport sur la situation. D'accord, bah... Et ton test de commérage, fait. Un coup, on te dit, la prêtresse est occupée, prenez... Prenez quoi? Ah, vous comprenez, elle est occupée, quoi. Elle est occupée avec la sécurité de la ville aussi. Ah, le mec est là, il te... A priori, il fait obsession. Je pense, je ne regarde pas mon arbalète, mais j'y pense très fort là, tu vois. Mais, je lui dis que bah, c'est, faut qu'on la voie, c'est important. Bon, j'insiste hein, en gros. Hein. Ah oui, bah, dis si c'est important, vous avez qu'à laisser un message. Et vous allez lui donner tout de suite? Ah, je lui donnerai contre un serment. Je peux vous le dire. Comme ça, à l'oral. Pas mieux que vous l'écriviez, mais bon, faites comme vous voulez. Je vais écrire un truc, mais bon.
truc, c'est en gros, je vais faire un. C'est que je fais pas confiance au gars en fait. Déjà moi qui ai la grande prêtresse, mais. En gros, j'écris un message pour dire que. On a rendez-vous. Voilà, j'écris à la grande prêtresse deux informations. C'est, la première, c'est que, on enquêtait sur l'entrepôt machin et on a été attaqué par des dockers, on a dû se défendre. Et donc, il y en a qui ont été blessés. Et l'autre information, c'est que je lui dis, j'arrive pas à vous. J'aurais préféré vous le dire directement et rapidement. Parce que, je vais voir, et après, en gros, je vais dehors et j'attends que les autres ils arrivent, quoi. Mmh. Ah, ça y est, Dantal est là, mais. Je regarde Dantal qui a pas l'air de parler, mais. Ouais, je suis là, quoi, mais. Ouais, ils ont dû se perdre. ils avaient quand même un gars sur le dos, bon. Je suppose que le pire qui aurait pu leur arriver, c'est qu'ils sont tombés sur un démon. Pas de bol qu'on n'était pas avec eux. Hein. Mais ouais. Bah, du coup, je sais pas moi en fait. Hein. Pour le coup, la seule personne qui pourrait que je pensais pouvoir voir, je sais pas. Donc, Y a moyen de réserver une salle parce qu'on aurait un petit. Réserver une salle où? Au temple. De quoi en fait? Là, je comprends pas trop. Bah, c'était pas l'idée de le torturer dans le temple. Non, l'idée c'était d'expliquer, mais j'allais pas écrire en fait qu'on avait capturé quelqu'un en fait. Dire, je sais pas comment. Que on s'est fait agresser, je le mets, mais qu'on a enlevé quelqu'un, je le mets pas, tu vois. Voilà. Ce que vous vous direz pour être retenu contre vous, blablabla. Ah, c'est ça. Autant je veux bien lui dire, qu'on voulait l'interroger. Pas le torturer, l'interroger, hein, déjà. Ouais, c'est deux mots qui veut dire la même chose, un peu, hein, tu sais. Bon, mais du coup eh ben, on va aller dire, les autres, on sait pas, on va aller à la foire, mais non, mais le truc, c'est qu'on est obligé de les attendre, en fait, hein. Je sais pas combien de temps on va décider d'avoir... Ouais, je pense qu'au bout de 10 minutes, on va se dire quand même, là... Au bout d'une demi-heure, il y a personne. On va chercher. Bah, c'est ça, deux, on traîne dans les ruelles là par là où on s'est carapaté à interroger les gens s'ils ont vu trois personnes louches avec un gars sur le dos. D'accord. Un docker, un soldat, une initiée, lambda. Ouais, alors tu as intérêt à le réussir hein, parce qu'ils comptent pas sur moi. Hein. Non, mais réussi. Ah bon, on t'annonce qu'ils ont été arrêtés par la garde. Oh, je regarde Dantal et je lui dis bon, ils ont été arrêtés, je pense qu'ils vont être exécutés demain matin, on peut y aller, hein, on rentre à la maison. Ouais. Oh l'enfoiré. Y'a combien d'infos quand même? Ils ont été arrêtés par la garde. Ouais, j'ai envie de retourner voir la. Je vais aller voir peut-être une deuxième figure d'autorité, à savoir la grande prêtresse de. Bien, vu que je peux pas voir celle de Verena. Hein on va tester avec une autre grande prêtresse, mais c'était pas trop son domaine, c'est pour ça que je voulais pas trop la mêler. Mais la messe noire, qu'est-ce que tu crois, oh là là. Ouais, alors, je veux bien, on peut se mettre aussi en PLS dans une ruelle et attendre, mais non. Non, on va voir la garde, on va les graisser un petit peu, ils vont libérer nos... Tu crois qu'ils acceptent les bières si c'est Kranik qui paye? Oh putain. Ouais, y a des chances, elles sont tellement délicieuses quand c'est lui qui paye. Donc vous allez au poste de garde? Ouais. Alors vous allez, celui que vous connaissez? Bah en fait, je demande où est le plus près, hein, surtout. Oui. D'accord. Bah t'apprends qu'il y a un poste de garde non loin de là, en fait. Donc vous y arrivez, et là vous apprenez qu'en fait, ils ont été transférés au sous-sol. Au champ de foire. Au champ de foire, ils vont être déférés devant le juge, en fait. Le gros mur. Ça m'attrape. Je leur pose la question, lequel le juge? Quand même, c'est bien ouvert, mais. C'est le même depuis hier, quoi. Ils vont prendre 2 heures de pilorier, c'est bon, quoi. Comment s'appelle le juge? Bon, si c'est le juge, je sais plus comment s'appelle. Pour moi, il fait partie du complot, hein. Clairement, on le connaît pas, donc forcément.
Moi, je... oui, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Hein, ouais. 80% de la population de Bogalafen croit à la théorie du complot. Moi, je dis dental, moi, je suis pour aller voir la grande prêtresse de Chalia, vu qu'on peut pas voir celle de Verena, pour savoir comme, si elle peut intercéder en notre faveur d'une façon ou d'une autre, quoi. Parce que... Enfin, voir avec elle les options possibles, parce que j'avoue que je ne connais absolument pas, juridiquement parlant, les options types ni rien. Je veux dire, si ça aurait été, tu vois, refaire les vitres d'un temple, j'aurais pu comprendre, tu vois, en termes de négociation, etc. Là, bon, la seule personne qui est compétente dans le domaine, elle a réussi à se faire arrêter sans... voilà. La faute à... Donc c'est une vieille Jorvin, ça. Moi, je vous l'avais dit qu'il fallait pas taper. Hein. C'était dit comme ça. Moi, je les ai pas tapés. Techniquement, je les ai pas tapés. Je les non, ai plantés. Non, je t'en ai... T'es un des pires, toi. Je sais. Donc, Chalia. Bah, vous allez au temple de Chalia? Ah, moi, je suis pour aller au temple de Chalia. Mais c'est un peu con, hein. Chalia, c'est pas la justice. Elle va pas nous aider, oui, mais on peut pas être reçu par la justice. Et on est de toute façon mandaté aussi, à rendre compte aussi à la grande prêtresse de Chalia. Ouais, moi, ça commence à me casser les couilles de rendre compte à des connasses, hein. Donc, Donc, t'arrives au temple de Chalia. Tu veux te faire introduire, je présume? Voilà, je dis voilà, je viens faire mon rapport, le rapport. Bah, fais ton test de commérage, vas-y. Et j'ai 25 PO, hein, il me les a pas filés, de toute façon, je le sais. Voici, tu as été les récupérer tout à l'heure. Donc il me reconnaît, donc il sait que je suis en affaire. Bah écoutez, la prêtresse de Chalia est occupée pour l'instant. Vous pouvez laisser. Voilà. Je le tue. J'en ai marre, je vais tuer la ville, je vais brûler la ville, c'est bon là. Si vous c'est quoi ces secrétaires qui savent faire leur boulot? C'est pas Warhammer. Ah. Ça fait plusieurs jours qu'on te prend eux, mais non. Après, on peut aller voir le juge qui est malade. Il fait une croix sur un papier. Sur le papier, on écrit comme quoi. Reconnaît que nos amis sont cool et qu'ils sont pas un problème pour la ville et qu'ils sortent garant pour eux, on amène ça à l'autre juge, on va se kiffer. Alors, je crois qu'une croix ça suffira pas. Je vais pas être méchant, mais j'ai du mal à y croire. Ah bah, tu sais, pour l'elfe, que ce soit un gribouillis ou une croix, c'est pareil. Ouais, bah après, on se démerde, tu vois. Chez lui, on arrivera à faire une fausse signature, je pense. Non, mais si tu veux, crois pour faire croire que c'est une fausse signature, tu vois, c'est comme si je te présentais une elfe fabriquée par un elfe et une elfe fabriquée par un humain. Enfin, pour moi, c'est la même chose, mais pour toi, tu vas me dire que non. Ah ouais. Bon, non, vous rendez chez le Richter, alors, c'est ça? Ouais, bah oui, parce qu'on va aller voir tous les gens qui sont sous froid et qui veulent pas nous parler. Bah après, moi ça dit ouais, avec un peu de chance, ça sera là l'autre. Honnêtement, je pense que c'est plutôt intéressant d'aller voir le juge et savoir qu'est-ce qu'on lui reproche Ah, déjà, donc, on passe chez le juge Rister et puis après on ira voir l'autre juge. Alors, Gilda, pour toi. Ouais, on lui demande comment ça va. Elle vous propose une petite collation et vous dit que les deux prêtresses sont. En haut, en fait, dans la chambre du juge. Oh putain, je monte et je vais les tuer. Bah ouais, je monte. Alors, le test de commérage réussi, ça te disait que... Hé, elle est chez le juge. Ouais, je me doute, hein. Quelque part, je pense que tu vas me payer quelque chose, là. Écoute, je t'offrirai la bière que Kranich m'offrira. Ça te va? Ok. Donc, de toute façon, il n'entend rien, Kranich, il est trop loin. Vous rentrez dans la chambre, le juge a l'air de se remettre un petit peu, il a l'air toujours dans les vapes, mais il a l'air d'être un peu moins avec les yeux qui lui sortent des orbites. En fait. Bonjour. On vient pour la mauvaise nouvelle. Ouais, bah, je leur dis bonjour. Je vais pas le faire trop en roleplay, mais bonjour. Et je demande comment va le juge et tout. Et puis j'essaie de mettre les formes sur le fait que voilà.
En un mot comme Vincent, je n'irai pas par quatre chemins. Pour tourner autour du pot. voilà. On a été parti par des dockers quand on enquêtait sur l'entrepôt, etc. On a dû se défendre. Il y en a plusieurs qui sont tombés sur le carreau de dockers et nos amis et une partie de nos amis ont été arrêtés. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Voilà. Bon. Clairement, je dis ce que les dockers nous ont dit. Hein. C'est-à-dire que on embête des gens puissants et que ils vont nous donner une leçon. Elles le savent bien, c'est elles qui ont envoyé. Mais je pense que les prêtresses ne sont pas aux ordres, ne donnent pas des ordres aux dockers, tu vois. Du moins pas celle-là. Et je parle de ça. Et puis après, autre chose. Je parle du ressentiment qu'on a eu dans le temple de Boganofen, qui est vide, etc. De Boganauer. Je leur explique que voilà, on a tous été dedans, on s'est senti mal, et ce que nous a dit Onaï sur les écrits heure. De. Je balance toutes les infos qu'on a eues ce matin, quoi. C'est rigolo. Histoire de les faire un peu flipper, tu vois. Et qu'on n'ait pas juste à été se faire prendre par la garde et rien branler. Voilà. Bon. Vous êtes en train de me dire, donc, alors que vous inquiétiez sur l'entrepôt, qui a retrouvé le gobelin, les dockers vous sont tombés dessus pour vous dire que d'arrêter d'enquêter. Et qu'ils allaient nous donner une bonne leçon, ils ont commencé à nous agresser. Et on s'est défendu. Oui ? Non. Moi, je me suis pas défendu. Non. Oui, toi, tu t'es écarté du combat en nous laissant nous démerder. Excuse-moi. Note pour plus tard. Ah. Égorger l'elfe dès que je sors de prison. Et je présume que vous voulez que j'intervienne, c'est bien ça? C'est pas la ville. J'avoue, je dis clairement, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que je ne demande pas forcément d'intervenir, c'est que je ne sais pas quoi faire, en fait, clairement, pour mes amis. Disons que si vous pouviez nous faire un petit courrier pour que... l'aider en leur cause pour le jeu, ça la déciera peut-être un peu, je sais pas. Voilà, après je sais pas ce qu'ils risquent, je sais pas ce qu'on leur reproche aujourd'hui au juge. On voulait passer voir à l'attente du juge pour savoir ce qu'il en est. C'est juste que, en fait, j'avoue que moi j'y connais rien en termes de juridique. Je leur dis, autant en termes commercial, vitres et défonçage de démons, ça y est, je connais un petit peu. Mais autant en justice et loi, j'y connais rien. Voilà. Mais on a un prisonnier, on aurait bien aimé l'interroger, parce qu'il aurait pu nous dire qu'il avait recruté. Vous avez un prisonnier? Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est nos camarades. Je pense qu'il était sur le dos de nos amis quand ils se sont fait arrêter. Ah oui, donc vous n'avez plus de prisonnier, quoi. Probablement. Non. Après, il est peut-être encore en prison avec nous. Oui, j'aimais l'hypothèse, mais bon, sans vraiment y croire. C'est un criminel dans une ville pourrie, c'est normal qu'il soit relâché. Ça va de la corruption. Mais imaginez, hein, Warhammer, c'est le monde des ténèbres, mais au Moyen-Âge. Hein, je veux bien faire une lettre pour plaider votre cause, mais Gilbert Vince. C'est pas évident, hein, de discuter avec lui. Il a tendance à avoir la main lourde sur les... J'ai envie de faire... C'est dur en roleplay, hein. Bah voilà, hein, les mecs, hein, tant pis pour vos 6 mois de travaux forcés, hein, on reprendra la campagne dans 6 mois. Et du coup, est-ce que la ville revend les équipements des prisonniers? L'enfoiré. Non, mais bon... je lui dis, est-ce que... je vous demande... est-ce que il faudrait mettre le juge dans la confidence de ce qui se passe? Pas, parce que j'avoue que bon, le dernier juge qui a été mis dans la confidence. Ah écoutez, je n'en sais rien. Oui. Merci. C'est cool, on est tous au même point. j'éviterai soigneusement d'en parler à trop de monde. Si a priori vous commencez à poser des questions et que on vous envoie des gros bras parce que vous commencez à gêner. Voilà, et le dernier juge qui vous avait parlé. C'est ça. Voilà.
Je lui demande, normalement, la guilde des gens, les dockers, ils répondent à qui, enfin, c'est qui peut les embaucher pour ce genre de travail. C'est pas compliqué, hein. Il y a la guilde des dockers, on vous avait qu'à demander Gurney de Gurney. Là, je lui fais, ouais, mais enfin, ils étaient 12 déjà la dernière fois, enfin, 10, je crois, c'est 10, ouais, la dernière fois. Si j'y vais dans la guilde, ils vont être encore plus nombreux. Pourquoi? Mais je sens que mon espérance de vie vient de chuter. Alors, Gurney Dunkoff. Note le nom quand même, quand tu sais écrire. Ouais. Hein. Ah, y a pas de P, pardon. Le premier P, c'est Dunkoff. Bon, ça, c'est pas grave, hein, on l'écrira pas. Alors, Dunkoff, ça veut dire imbécile. Hein. Dunkoff, la petite automobile. Voilà. C'est bizarre. Tout me Françoise. Donc voilà. Et lui qui pourra peut-être répondre à vos questions. Ah, je lui dis que s'ils nous ont agressés, ils risquent pas de juste nous agresser une deuxième fois, juste si on va lui poser des questions avec tous ces gars à côté. Ah, peut-être, oui. Merci. Maintenant, si vous allez directement à la guilde, peut-être que. Ils n'oseront pas vous agresser sur le parvis de leur propre guilde. Ils n'oseront pas. Avec un point d'interrogation. Peut-être. Peut-être, surtout. C'est le mot peut-être. Bah, c'est-à-dire c'est que important. S'ils ont des archers en poste, ils pourront nous tirer dessus avant, quoi. Juste une question. Le chef de la guilde des trucs, elle est dans un angle droit isolé ou... Alors, attends, la guilde des dockers... Elle est sous l'eau. Ah, parce que si elle est dans le centre-ville, voilà, c'est pas Bon, devant. C'est pas compliqué, elle est au bout de la rue à côté du port. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, si vous. Bah, en tout cas, ouais, pour la lettre, pour intercéder en faveur de nos amis, si c'est possible. Après, je. Il y a marqué, l'avantage, c'est qu'ils sont juste en face de la guilde des charretiers. Qui n'est pas en. Enfin, qui sont. Généralement, les charretiers et les dockers sont très souvent en indélicat. Je suis en train de me dire que j'ai pas spécialement envie de foutre le boxeur en ville que ça l'est déjà, mais. Ah. Mais c'est peut-être un moyen d'avoir les infos. Donc, c'est comme vous voulez. Bah, ouais, si, par contre, ouais, s'il y a moyen d'intercéder auprès du juge. Enfin, après, je dis clairement, hein, la problématique, c'est que si le juge en question est au courant de cette conspiration, il y a de fortes chances qu'il essaie de se retourner vers. Putain, je dis rien. Moi, je serais quand même tenté d'aller voir le juge, voir son le reproche et voir s'il y a moyen de payer une petite. Libération, quoi. Je pose la question, ouais, le juge en question, là, il est vraiment. C'est un juge qui est dur, incorruptible. Ah, hein. Enfin. Alors, dur, oui. Il a sa réputation. Dur, oui. Incorruptible. Ouais, je parlais pas de le corrompre, hein. Moi je parlais juste de payer une amende. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Amende ou Bah, savoir ce qu'il a. En fait, faut. De toute façon, oui, si vous pouvez faire une lettre, déjà on va voir ce qu'il leur reproche. Si on n'a pas besoin d'utiliser la lettre, on l'utilisera pas de toute façon. D'accord, bon. Prépare une lettre. Mm-hmm. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Oui, bah. Je sais pas écrire. C'est pas une carte libérée de prison, je me doute. Sinon, avec Marlène, nous avons un petit peu discuté. Je me demande si la maladie qui a touché le Richter n'aurait pas déjà sévi en ville. En fait. Ah? Genre sur un certain gars qui faisait de... Astrologue? Astrologue? Bon, je demande. Enfin, pas que je sache. Okay, enfin, en tout cas, on ne l'a pas signalé. Enfin, je voulais parler. De toute façon, j'ai donné les infos que qui nous a donné sur l'astrologue, etc. C'est Zygmunt Mallard, ouais. Oui. Il est passé entre la main des guildes des pleureurs. Donc, peut-être plutôt vérifier auprès d'eux. Ils nous ont rien fait remonter. Et donc les autres personnes? Il me semble que une étrange maladie avait frappé déjà il y a quelque temps, mais j'ai plus vraiment de détails. Je sais qu'un médecin
a déjà travaillé sur la question en fait à l'époque et j'avais fait chou blanc. On pourrait peut-être le voir parce que je me souviens plus de qui c'est. Je lui demande si c'est le médecin du. Enfin, de... Je suppose que je sais plus si on a noté son nom, le médecin du. Parce que si c'est le même, non, je vais demander à Gildan, le nom du médecin du jour. Oui, c'est le même médecin, Reinhold Eichthor. Parce que tout ce qu'il a prescrit au juge, ça reste quand même un bouillon de poule et. Et donc, passez, enfin, voilà. Vous pouvez passer le voir à Guilde des médecins, vous auriez peut-être des informations. Tu peux me remettre le nom ? Parce que bon, je. Alors, je te le remets. Reinhold. Voilà. Merci, bah on passe au champ de foire et puis on va sûrement aller voir le médecin. Et merci pour les informations. Et par contre, je dis quand même que. Je redis clairement que. Bon, je sais que je l'ai dit. Regarde, j'arrive pas à le dire. En gros, je considère l'avoir déjà dit, mais je te le redis. En gros, j'aurais parlé bien de la Lune, de ce qu'a dit l'astrologue, de ce qu'a vu l'astrologue, etc. Et du fait que c'est pas visible ailleurs qu'ici, quoi. Et que, oui, bah, j'ai bien noté le truc, mais. Voilà. Ce qui fait dire qu'il y a d'urgence, quoi. Ouais. Bon, bah. T'as parlé du temple de Boganauer ? Oui, j'ai parlé du temple de Boganauer, okay. Du ressenti qu'on a dedans, etc. Et qu'il est vide. Bon, qu'il est vide après, on l'a expliqué, mais. Reste qu'il y a quelque chose de bizarre au temple de Boganauer et que et qu'on est plusieurs. Et que. Comment il s'appelle l'astrologue avait fait la même réflexion dans ses écrits. En même temps, vous avez l'air d'être les seuls à être au courant de ce qui se passe dans le coin. Peut-être que personne n'a fait le lien entre les événements actuels. Et... Clairement, peut-être parce qu'on est des étrangers et que d'une façon ou d'une autre, tout le monde est sous l'influence d'un sort plus. Et moi, je vais passer au temple. Je vais passer au temple de Boganauer. J'irai me faire ma propre opinion, mais vous me dites. Après, je dis c'est un ressenti, mais bon, pas. Le magicien a senti quelque chose aussi. Hein. Mais ouais, voilà. Il a senti l'influence d'un sort. C'est pas notre ami. Bah, il nous a dit que j'ai pas très bien compris qu'il y avait un truc résiduel, je crois. Non. Je sais plus. Hein, ah oui, voilà. Il y avait une perturbation dans la force. Ouais. Une perturbation dans l'éther. Mais il a pas détecté de sort, par contre. Parce qu'il nous a parlé de Bah écoutez, je vais. C'est la même chose, mais en moins bizarre. Je vais aller enquêter de mon côté, et si vous me dites que c'est vrai, je pense que c'est un message. Bon, par contre, y allez pas seul, hein, parce que bon, nous on se fait agresser, on sait jamais. Hein. Ouais, bon, c'est vrai qu'on est des étrangers, donc c'est peut-être plus facile, mais bon. Voilà. Si c'est urgent, la personne qui est derrière ça va peut-être niquer et commencer à. Bah, dis-moi, notre maîtresse, voilà. c'est le se emmerder des sorts pour calmer pas mal de gens. Ouais, mais moi j'en sais rien, tu sais. Hein. Moi je suis un pauvre artisan. Hein. C'est même pas quel niveau là. Hein. De toute façon, elle lance que deux sorts. Hein. Ah bah, faut quelque chose, il est bon. Hein. Mais dans tous les cas, je dis que, ouais, vu ce qui est arrivé au juge, il y a un danger potentiel pour vous aussi, quoi. Voilà. Voilà. Tu l'as dit au début de la campagne, les métiers c'est votre carrière. Elle est grand prêtresse, elle a la classe grand prêtre. Grand prêtre, t'as 4 en magie, hein. Ça va, hein. Ah ouais, ça écoute, moi en tant qu'artisan, j'ai pas lu le bouquin. Attends, elle est peut-être faisant fonction d'eux, hein. Dans tous les cas, je sais pas si ça te va au Naïm, mais on va à la foire le très charmant juge remplaçant. Alors moi je suis pas au Naïm, hein. C'est dans ta. Pas au Naïm, excuse-moi. Moi je veux aller voir le juge pour savoir où est-ce qu'ils sont les autres, quoi. Parce que peut-être qu'ils sont en train de se faire des coupés en apéricule, je sais pas, quoi. Oui, bah justement. Donc, quand vous arrivez dans la tente du Corvins, vous êtes accueilli par les gardes qui vous demandent ce que vous faites.
Et on vous conduit jusqu'à un scribe, un avoué, qui peut être une femme. Et cette femme, vous vous rendez compte qu'elle était là déjà les précédentes fois où vous étiez venu voir le juge Richter. Elle qui l'a empoisonné. Bah, je me présente à elle. Hein. Ah, encore vous. Oui. Vous venez plaider devant le juge. Alors, on vient se renseigner sur une affaire qui doit être qui a été vue ou qui va être vue par le juge et on aimerait bien en connaître un peu plus, si possible. Vous n'avez pas à le savoir. C'est les affaires de justice. Les affaires de justice sont les affaires de la justice. Mais la justice oui, mais on a peut-être des éléments à faire, à amener sur cette affaire. Une agression qui aurait eu lieu sur les quais. Alors, quels sont ces éléments que vous voulez rajouter au... Une lettre d'une grande prêtresse. Non. Ouais, d'accord, j'ai joué tout de suite le Joker, j'avoue. Mais bon, alors, elle prend la lettre. J'en ai marre des secrétaires. Elle prend la lettre et elle l'ouvre. On a été témoin d'une agression sur les quais. On sait pas si on... Enfermer tout de suite les porteurs de... Je pose en même temps qu'elle lit... vous serez peut-être heureuse de savoir que le juge Richter va mieux, et j'observe son visage. Ouais, je suis d'accord avec ça, on approche. Tu remarques tout de suite. Je suis heureuse de l'entendre. Comment... Quelle est-il évidemment arrivé? A priori, une très très sale maladie. Et je lui dis que la prêtresse de Chalia est à son chevet. Et visiblement, vous toussez. Peut-être que vous avez attrapé la même. Alors, elle ne tousse pas. C'est moi qui tousse. Mais je lui dis que la prêtresse de Chalia est à son chevet. D'accord. Bon. Visiblement, les assassins ont raté leur coup. Oh putain. Clash. J'avoue moi je suis d'accord qu'il le dise. Elle te regarde un peu interloqué quand même. Hein. et c'est-à-dire il semblerait que. Il est en train d'être assassiné magiquement. Ouais. D'où le fait qu'il y a une grande prêtresse de Chalia qui s'est déplacée pour le soigner. Gros foutage de merde, niveau 1, enclenché. Clac, clac. J'aurais pas sorti le truc magique, mais j'ai envie. Alors, je sais pas si la panique générale dans la ville c'est une bonne idée à déclencher quand même. Écoutez, pour l'instant, c'est juste elle hein, qui va paniquer. Je pense, mais. Enfin, elle connaît peut-être des gens, elle va peut-être en parler. Ouais. Hein, mais... tout ce que je sais, c'est que, c'est vrai que j'ai quand même trouvé bizarre la démarche du juge. Il a quitté son tribunal, s'est fait remplacer. Et vous savez s'il a eu de la visite avant son problème? Ouais, parce que le truc c'est qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui a quand même fait quelque chose et on aimerait bien trouver qui c'est pour le présenter justement devant la justice. Écoutez, le capitaine de la garde est passé le voir. Ah. Mais Ça va être comment, s'il est au-dessous de soupçons, j'y demande. En la scrutant. Pardon, attendez, parce que vous avez parlé tous les deux en même temps, donc Le nom du capitaine de la garde, on le connaît ou c'est... Écoute, je ne trouve pas de nom de capitaine de la garde, je dois t'avouer. PNJ random, tu sers à rien. Excusez-moi. Déjà, s'il s'appelle de la garde, c'est qu'il est noble. Par contre, je sais pas, mais... quelque chose m'a effrayé en lui, jour-là. Une sensation bizarre, je n'ai pas su... Il était possédé, peut-être. Oui, je sais pas, en tout cas, pendant tout leur entretien, j'ai vu le juge qui me limitait et le capitaine de la garde avait l'air de se réveiller. Alors, je dis clairement, je pense qu'il faudrait que vous consigniez votre propre témoignage. Vu ce qui se passe, j'avoue que j'aimerais bien présenter votre témoignage à la grande prêtresse de Verena. Et j'aimerais bien retrouver ce capitaine. Peut-être qu'il a fini la poubelle, mais il est au fort
corps du feu noir, donc qui est juste derrière vous en fait, enfin qui est juste derrière le camp là. C'est le truc que vous avez dû visiter en fait. Tantal, t'as ton arme, on va donner un assaut au fort à deux. Ouais. Et bon bah. Mais vous avez pas pu interroger Richter. Oui non mais attends. Ouais, il était, que il était les témoignages c'est bien aussi. Bah Richter déjà. En même temps il est dans les vapes. C'est ça. C'est l'autre juge, mais en tout cas, bon, et ouais, essayez juste, ouais, de. Je lui dis clairement, on pense qu'il y a complot. Je pense qu'on est. Il y a quelqu'un qui a essayé d'attenter à la vie du juge magiquement. Et votre témoignage doit être important, et donc consignez-le. Alors, et présentez une copie de Verena, quoi. Si moi, je peux pas quitter mon poste maintenant, ça va paraître suspect si je le fais, et. Est-ce que vous pouvez le consigner par l'écrit et nous on va le transmettre au temple de Verena, histoire qu'il soit gardé. Et c'est qu'une vague impression, hein, j'ai pas. Oui, oui, bah c'est qu'une vague impression. Il y a beaucoup de vagues impressions et il y a quand même une tentative de meurtre. Après, comme vous voyez que c'est une vague impression, ça se fout. Désolé, mais on a bien chose à foutre que prendre son témoignage et le mettre dans un putain de temple à la con. Écoute, je suis cops, monsieur. Mais oui, non, mais enfin, bon, le capitaine n'a rien à pas approcher le juge, quoi. Okay. Pour en revenir à notre affaire. Oui, je crois que c'est bon, là, je vais retourner le cerveau. Je peux essayer de vous arranger quelque chose, mais elle paraît peut-être un peu grossier, quoi. Je peux essayer de faire passer l'affaire à plus tard et je peux essayer de. Bah, je vous cache pas que dans les suspects, il y a une initiée de Verena et qui enquête sur ça. Et elle se retrouve en prison à partir du moment où elle commence à enquêter sur la mort d'un juge quand même. Donc j'avoue que ça, si on peut remporter un peu plus tard pour qu'elle puisse au moins avancer sur l'enquête avant de se faire juger, ça serait pas mal parce que on a peur qu'il se passe. Ce que je peux faire, c'est essayer de requalifier, d'essayer de faire en sorte que les faits soient qualifiés et que qu'il se prenne une heure de pilori. Alors, le joueur sourire. On est d'accord. Je pense que effectivement, du pilori à la place de travail forcé sera mieux. Si c'est. Oui. Mais une caution n'a pas été. Non, il n'y aura pas de caution là. Non, mais c'est très bien le pilori, une heure de pilori. Voilà. On va acheter des tomates. J'allais te le proposer. J'allais être certain. Bah, finalement, donc, les autres vous êtes emmenés sur la place publique. Il y a que le pilori pour votre fait. Bien évidemment, il y a des gens qui ont commencé à balancer des tomates, du chou pourri. Hein, vous dépensez pour combien? Ah non, moi j'encourage notre tireur. Je vais pas dépenser. Hein. Ah non, moi je dépense deux couronnes d'or. Oh, putain! Je veux des barquettes. J'achète plein de trucs, je donne à la populace. Voilà. L'enfoiré. Bon, vous allez ressortir couvert de pulpe de fruits et de légumes pourris, mais bon, il y a que l'honneur qui aura pris, quoi. Ah, on les attend à la sortie. Et après, vous avez une perception quand même. Même. Il y en a qui va se prendre un pain. Ouais, j'ai rien pas vu. Béatrix qui a vu. J'avais une tomate dans la gueule, j'ai rien vu. 13. Bon, là, et Kranich, on voit pas le jet, c'est bizarre. Bien joué, Kranich. Un jet. Tu vas pas relancer ? Ah, voilà. Et ben voilà. Donc, que Béatrix, il voit rien, en fait. On a bien exactement vu, ça. Je transmets l'info à Béatrix, on a bien vu Dantan jeter des fruits pourris en distribuer massivement à la populace sous les yeux de cette. Non, moi j'étais pas là. Hein. Moi j'étais loin. C'est bien ça. Alors, vous remarquez surtout que
En fait, il y a un flot ininterrompu de fruits et légumes qui arrivent en pleine tronche. Et que clairement, oui, quelqu'un alimente tout le monde en truc parce qu'ils ont rarement jeté autant, hein, les gens. Hein. Et ils remercient tous le champion de la France. Ah, c'est joli ça. On va avoir un test de commérage, et on va voir ça. Allez, vas-y. C'est social, commérage. C'est ouais. Commérage. Ouais. Dommage que ce commérage. Soit... Bon, ça, je pense qu'il y en a un, c'est réussi avec son vie. Zéro, Kranich a eu succès en commérage. Oui, mais Kranich, il a pas eu l'idée. Oui, mais Kranich, il a son micro qui est bloqué, fermé, là. Comment ? Ah oui, pardon, désolé. Oui, mais il m'a sûrement passé l'idée, je l'ai vu faire... demander qui c'est qui demandait qui a fourni autant de légumes voilà quoi non il veut pas alors moi ce que je veux c'est le MJ qui tranche je veux que Ney me fasse le jet, on verra. Je suis d'accord avec le MJ hein. C'est social commérage parce que moi mes boutons oui. Ils sont c'est indécent de toute façon 83 je dépense un point de fortune. Attends, attends, pour ça. Bon d'accord, je ne dépense pas. Ok. Bon, ah mais en même temps, vous avez fait chier. Vous avez fait chier les gens puissants de la ville. Faut pas vous attendre à être bien accueilli aussi quoi. Faut s'attendre à ce qu'un allié nous fasse des fruits pourris pour deux couronnes. T'inquiète. Bon, après, ça porte pas vraiment à conséquence si ce n'est juste une scène. Hein. Un ami qui veut pas payer ses propres bières. Oui, regarde. C'est pas vrai, il les paye, mais pas pour tout le monde. Regarde. Il paye pas ses bières. Dans 10 ans, tu pourras en rigoler de ça, tu vois. Je te dis, moi. Hein oh putain. Bon. Ah, c'est fou. On les récupère. Ouais. Alors, il pue. Bon, bah, on est bon pour aller se changer. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les mecs. Vous avez échappé aux travaux forcés. Oui. Ah, cool. Parce qu'on a réussi à s'arranger, je vous explique, dans un coin. On a réussi à s'arranger avec la personne. Je leur explique, on s'est arrangé en fait avec la scribe du tribunal pour requalifier vos faits. Parce que sinon vous allez finir en travaux forcés pour moi. Ouais, bon, bon, on a réussi à avoir une heure de pilori. J'espère que ça a été pour vous quand même. Mm-hmm. Ouais, je trouve qu'on a eu beaucoup de fruits et légumes là, tu vois. Je reste sur l'explication de Dorntal qu'il a fait HRP. Hein. En même temps, on a de quoi ramener faire une soupe au Péribelli quoi. Je leur dis tout ce que la prêtresse nous a dit, ce qu'on a dit à la scribe, ce qu'elle nous a dit aussi. Donc à savoir les trucs sur le capitaine de la garde, qui était bizarre. À savoir ce qu'on a promis de faire à la grande prêtresse, c'était d'aller voir le médecin. C'est sûrement le capitaine de la garde qui a donné la permission au groupe qui a soi-disant retrouvé le gobelin. Elle dit qu'elle le trouvait bizarre, très étrange, etc. Alors que il a même pas de nom dans le scénario. C'est quelqu'un d'autre. c'est moche. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Qui donne la permission aux gardes à part le chef des gardes? Oui, c'est pas faux. Le maire des gardes. Il y a un bourgmestre. Ouais, moi en tout cas j'aimerais bien le retrouver ce gars, même si. Moi je suis d'abord pour aller voir le médecin quand même, et après le capitaine. Je commande un probi pour le médecin. Oui, aussi, et je serais d'avis. Vous sentez fort le Dorntal, c'est vrai. Hein. Ouais. on a peut-être prévu un seau d'eau quand même, histoire qu'il se rafraîchisse. Ah oui, je considère qu'on a prévu de l'eau ou une serviette ou un truc pour les aider quand même. On n'est pas des monstres. Honnêtement, hein. Vous pouvez carrément les envoyer prendre un bol. Hein. C'est bien ce qu'on disait. Attends, deux couronnes de légumes, il n'y a plus un légume pourri dans sur le champ. Hein. C'est clair.
En tout cas, la personne qui vous en voulait, elle a affamé toute la ville. Hein. Ah non, non, c'est que les légumes pourris. Hein. Ouais, comme par hasard, c'est que des légumes. C'est pas les elfes qui sont végétariens. Hein. Non. Ah, comme je vous dis, vous sentez fort le dental. Vous avez reçu quelques tartes, des tourtes, enfin, voilà quoi. Non, parce qu'il a bien fallu aller dans le bizarre après. Hein. Ouais. Une pomme. Bon, par contre, je vous signale quand même que la lune et son visage deviennent de plus en plus visibles et que ça sent pas bon, ça. C'est-à-dire qu'on a un temps limité et que on... Oui, mais allez vous laver. Mais regardez votre chance. Ils sent pas bon pour l'instant, c'est toi. Hein. Hein, regardez votre chance. Ils ont pas livré des cailloux. Hein. Alors, il est midi. Hein. Bon, ils vont se laver quand même, les dormtales là. Bah oui, allez, quand même. Vous allez vous laver. On va au Beribéli. Vous savez ce qui a été fait du prisonnier que vous aviez ? Non. Ils l'ont relâché, je pense. Enfin, ils ont dit que c'était lui qui était agressé, donc voilà. On a le nom du chef de la guilde des... Des dockers. Non, des dockers. Si vraiment vous voulez qu'on aille les voir pour leur dire ce qu'on pense, pour les interroger. Vous avez envie d'exaucer une vengeance personnelle, je pense que... Le chef des dockers, c'est la meilleure personne. Ça se trouve, c'est lui qui a payé les trucs pourris. Probablement. On a fait assez pas. Je veux un bain. Pas le bain, il y a l'auberge dans laquelle vous avez passé la première nuit. Elle est un peu chère, quand même. Ouais. Ah oui, mais les bains étaient bien. Il y a les égouts, sinon, hein, ou t'es pas très loin, c'est bon. Putain, enfoiré. Ouais, si ça vous va, on va dans l'auberge en question pour vous faire laver. Oui, ça me plaît bien. On passe par derrière, comme d'hab. Ouais. Ils sont habitués, maintenant. Quand ils vont te regarder, ils vont réclamer 2 sous par personne. Hein. Et je les fais payer sur la caisse commune, quand même. Hein. Ah non, donc, ouais, Oh, ça va, hein. Tu t'es amusé, quand même. Alors, on paye 2 couronnes, putain. Alors, terne, repas, bateau... Ah, ça, alors, il et ses amis, ça n'a pas de prix. Complètement. Donc 3, donc ça fait 6 sous. Voilà. Mais en même temps, je veux dire, moi, je rigole, ça fait du bien, donc ça va. Ah, ça, l'elfe est taquin. Hein. Ouais, ça, on peut le dire. Ouais. Alors, vous prenez un petit moment pour vous... Ça fait quand même 2. Ah, vous prenez quasiment 2 bains. Hein. Le premier qui finit en bouillon et le deuxième qui finit sortait propre. Faut pas espérer que l'eau reste claire, quoi. Et ça fait un bon bouillon de légumes. Vous voulez pas le garder pour vous? Souple. Mettre dans une gourde. C'est moche. Désolé. Ah bah. Quelque part avec Béatrix, on l'a la gourde, hein, mais. Oh putain. J'attendais celle-là. Tu demandais qui allait oser la faire. Moi, je me suis pas demandé qui allait oser la faire, mais. Moi, j'ose tout. C'est un massacre qu'on reconnaît, Hobby. Eh ben oui. Il est midi. Vous n'avez pas faim. Tu m'étonnes. De légumes pourris, on a l'impression d'en avoir encore plein de nez. Bon, le médecin ? Ouais. Ouais. Alors je vous dis clairement que moi j'ai des doutes sur la probité même du médecin. Je pense que c'est un enfoiré de promeneur. Ou alors qu'il a eu son diplôme dans une prochaine surprise. Donc vous rendez à la guilde des médecins ? Bah ouais. Bah ouais. La guilde des médecins. T'as pas le générique de Dr. House ? De quoi ? Le générique de Dr. House. Grégory House. J'avais compris le Pictionary, c'est pour ça que je comprenais pas du tout. Non, Reynolds, Eichdorn... Eichdorn, ok. Ouais. Bah, vous arrivez à la guilde des médecins et vous fait patienter 5 minutes et vous êtes introduit dans le bureau de ce médecin. J'ai une question. Est-ce qu'on a pu piquer des magazines dans la salle? Désolé. C'est mauvais. Donc, bonjour monsieur. Ah, qu'est-ce que je peux pour vous? Il semblerait que... On s'est déjà rencontré.
Oui, oui, je ouais, sais. On s'en fout. Il semblerait que vous ayez déjà travaillé sur de la fièvre pourpre. Non, ah, non, non. Donne le nom de maladie. Non. Alors, c'est la fièvre cérébrale pourpre. Oui. Voilà. Il y a quelques années, et on voudrait avoir des informations sur... Attends, c'est pas, y a, c'est pas il y a quelques années. C'est, y a, ils ont eu des cas. Ça, on nous a pas donné de date. Oui, bah, pas j'avais compris que c'était il y a plusieurs années, donc voilà, après, ah, je comprends oui. Peut-être, mais... Je pense que t'as extrapolé. Bah, bah écoutez, cette affaire avec temps, le juge oui. Richter m'a quand même interloqué. Et effectivement, j'ai pas reconnu tout de suite les symptômes, mais après coup, j'ai quand même refouillé dans mes archives, et effectivement, ça me semblait familier, ces archives de quand est-ce que vous pouvez nous donner les parce que en fait bah, je vous dis clairement on est mandaté par la grande prêtresse de Chalia qui voilà je qui s'intéresse beaucoup à l'affaire nous avons déjà échangé des courriers c'est pour ça qu'elle vous a envoyé à moi effectivement il y a j'étais assez préoccupé par cette maladie parce que je sentais bien que il n'y survivrait pas d'ailleurs mon dernier patient n'y a pas survécu. C'était il y a 2 ans. Ah, j'avais raison, connard. Oui, mais en fait, ça, Bobby, je pense que en fait, ça pouvait pas être moins. Enfin, ça pouvait pas être plus, en fait. C'est il y a 2 ans que Lord Septenarius a été créé, Lord Septenarius. Et donc mon patient s'appelait. C'est Tom Tolgan. C'était le frère de l'actuel dirigeant de la maison Tolgan. Et en une semaine. Je lui demande, la maison Torrigan, c'est... C'est la plus ancienne famille de Bobby. Oui, mais c'est, ils ont, genre, c'est... En fait, je veux savoir... Si ils font partie de l'ordre plus que c'est juste les plus anciennes familles, en fait. De quel ordre De Septenarius, je l'ordre de Septenarius. Non, mais non, c'est pas ça. C'est... Moi, je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui... c'est quoi leurs attributions dans la ville, en fait, hein, Ah, mais... C'est eux qui possèdent la plus grande flotte. Marchand de la ville en fait. Il possède une grosse partie, enfin la plus grosse partie des entrepôts de la ville en fait. Je lui demande, je lui parle de la fleur. Est-ce que des fois leur logo serait pas une fleur à 4 pétales? C'est un complot. Et je mets mes lunettes noires. Moi du coup je pars sur une musique. Sombre lune, on a. Qui note bien les trucs, cette famille elle fait partie de Lord Septenarius, on est sûr, on n'est pas certain, on n'a aucune idée. On n'en sait rien. Voilà. Ouais, ceux-là on n'en sait rien, mais oui. Ça sent bien qu'il a éliminé son frère pour récupérer la famille. Je demande au médecin mais... s'il y a eu d'autres cas, même de chez ses confrères, qui ont été rapportés. Non, j'avoue que ça m'a troublé, l'histoire du juge Richter, votre insistance m'ont fait quand même regarder un petit peu plus en avant, et c'est comme ça que nous avons découvert avec Et vous avez pas enquêté de Chaliac, à l'époque sur comment il a contracté la maladie. À l'époque on l'avait même pas identifié en fait, les symptômes sont les mêmes, mais je n'avais pas identifié le mal. Ouais mais, je veux dire, vous avez peut-être pris son emploi du temps avant en fait, je sais pas. Genre s'il avait fait des rencontres, des choses comme ça. Pas spécialement, non. Eh ben sachez qu'il faudra le faire à partir de maintenant. Et pensez à demander aussi la carte vitale, hein. C'est important. Voilà. D'accord. Oh putain. Non, mais c'est vrai, les antécédents des patients sont très importants. Ouais, donc, oui, ils sont importants. Mais pour ce genre de maladie, je pense que. Voilà. Donc. Et regarde. Les elfes. Je donne les animaux. Il y a un mur pour que je frappe ma tête dedans. Oui, il y a moi. Je garde mon aplomb. Voilà. Pas un mur. Ah bon. Mais c'est à dire on a rarement vu des murs reculer devant un démon. Ah, putain. Si, ça arrive. Si, moi j'en ai vu même si
Pourquoi il est devant un démon? Moi, je vois pas de quel démon vous parlez. Question, on a autre chose à lui demander au médecin ou on peut se barrer? A priori, non, on n'a pas d'autre chose. Le maître ensorceleur, ça serait le cadet de la famille machin truc. Si, en fait, le truc, c'est que ça correspond à. En termes de date, bon, ça reste 2 ans, donc c'est quand même assez large. Bon, quand l'Ordo Septenarius a été créé, il y a un gars qui a assassiné une autre personne, qui a permis, en gros, aux frères d'hériter. Moi, j'appelle ça une démonstration. Et si le frangin voulait pas faire partie de l'ordo machin, c'est aussi se débarrasser d'un gêneur à l'époque. Oui, il y a plein de raisons qui peuvent justifier son essai, mais effectivement, si ça correspond avec la création de l'ordre et... C'est ça. C'était il y a 2 ans l'ordre que ça a été créé, d'a priori. Il y a forcément un lien quelque part, quoi. C'est ça. Toi, enfin, le pourquoi du comment à l'époque. Buter, est-ce que ça, c'est un assassinat. Ouais. Et le crime il profite principalement à son frère, hein, donc en général il va aller chercher plus loin. Hein, donc, Ah, c'est ça, mais oui, ça profite à son frère, mais c'est si c'est via un complot, c'est en fait un ensemble de personnes, quoi. Oui, mais le frère aura peut-être le plus d'infos. Moi je dis, on les ramasse tous, ces nobles, on les découpe et puis on les casse. Et, voilà. Et on fait du saucisson. Voilà. Quoi? Ouais, mais je suis un peu en mode prédateur dans Cassos, quoi, tu vois. Je suis aussi en alien, quoi. Bon, ce sont de Marines. Ouais, c'est goûtu, hein. Ouais. Mais vous êtes bien d'accord que regardez ce qui s'est passé quand on tapait des dockers, alors imaginez qu'on commence à taper des nobles. Oui, mais on n'était pas à notre force de frappe complet, il y a quelqu'un qui a pas attaqué. Non, mais je connais la subtilité des humains pour leur loi à la con, du coup je préférais montrer l'échec qu'ils avaient à essayer de me toucher, leur a fait comprendre que j'étais intouchable et ils sont partis. C'est la défense la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Une controverse à la Chewbacca. Non. Oula. Non, c'est le coup du Chewbacca, mais il faut des prisonniers pour ça. Les Wookiees n'ont pas d'âme, donc il n'y a pas de controverse à Vriadolid. Et De toute façon, le capitaine... C'est mon cerveau qui fait par mes oreilles. Le capitaine pourrait être intéressant, je suis d'accord. De Kashyyyk, alors. Non, parce que, en fait, moi, je pense qu'il faut... faut, tu vois, faire rencontrer le capitaine et notre détecteur d'ondes paranormales. Ben, c'est d'accord. Ça va, René. Je pense qu'une petite visite au fort où il y a le capitaine, ça pourrait être sympa. J'ai l'impression que le capitaine pourrait nous donner une preuve beaucoup plus conséquente, en fait. Je pense qu'il faut aller voir le capitaine en disant que en étant très alarmiste sur le truc du juge Richter, et comme il est le dernier à lui avoir parlé, à savoir qu'est-ce qu'il lui a dit, quoi. Parce que c'est triste. Bon, de toute façon, plutôt disputé. Et il y a aussi, il faut qu'on aille voir aussi la guilde des pleureurs pour savoir s'ils ont eu d'autres. Parce qu'on ne sait pas si l'astrologue que cherchait notre ami. Oui, ça serait pas mal d'examiner par exemple le cas de ton ami l'astrologue à la guilde des pleureurs, savoir dans quel état était son corps. Si par exemple il avait, je sais pas, une grosse langue violacée. Ouais, quand bien même il aurait une grosse langue violacée, ça nous rapporterait quoi? Ça fait plein de morts attribués à ce gars-là et peut-être réunir encore d'autres personnes qui sont dans le complot. Maintenant, on peut aussi aller confronter directement si tu veux. C'est du kit tout double, hein, directement. Autre, hein, donc, parce que là, on secoue rien du tout, quoi. On fait un peu de bruit, faut y aller plein pot, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour moi, tout l'ordo Septenarius, maintenant, c'est à abattre. Hein. Mais ça reste que de la supputation. Si vous voulez passer en force, on peut toujours commencer à agresser les deux identifiés. Hein. On peut passer aussi à la guilde des marchands pour poser des questions sur l'ordo Septenarius.
Sachant que vous avez agressé des dockers et que vous avez risqué le bagne à trois fois rien. Hein. Ah mais si on passe en mode violent, clairement on se fera pas prendre quoi. Je veux dire on bute les gardes quoi s'il faut. Ouais. Je me tourne vers mon acolyte préféré. Et je regarde sa tête. Alors, pour l'instant, vous avez des faisceaux de preuves relativement concordants, je suis d'accord. Vous n'avez pas de preuves encore. Hein. Bon, alors, oui, moi... c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves. On n'a que du faisceau, quoi. On n'a pas une preuve. Ouais. Mais après, le truc, c'est que... Si on s'arrête là, et qu'on n'a jamais les preuves, on l'a dans le cul. Donc, si on va les confronter, qu'on leur dit ce qu'on sait, et qu'ils s'énervent, et qu'ils essaient de nous attaquer, on les bute, et point final. Et on aura réglé le problème. Ouais, on peut très bien leur bluffer comme quoi on a les preuves. Hein. Parce que là, on est parti pour jamais les avoir, les preuves. Hein. Bah pourquoi si on pousse plus, ouais, on peut aller voir si comme par miracle ils nous disent chez les dockers mais c'est pas comme par miracle c'est quand même la grande prêtresse qui nous a parlé d'aller les voir aussi pour avoir des infos quoi. C'est pas un miracle hein. Et si elle a fait comme avec le médecin, elle les a prévenus quoi. Moi, je serais quand même tenté d'aller voir le capitaine parce qu'il m'avait l'air chelou. Moi, je serais tenté d'avoir le capitaine parce que je pense que c'est le seul qui puisse nous donner vraiment un truc. Ben moi, je veux bien aller voir le capitaine, mais je veux juste en fait passer à la guilde des pleureuses, des pleureurs, en expliquant la problématique et savoir si ils ont eu des similaires. Et s'ils en ont eu, il faut qu'ils préviennent la prêtresse de Chalia parce que c'est important. C'est en gros faire pas, que c'est pas nous qui avons l'info, qu'au moins ça remonte jusque à la prêtresse. De toute façon, on doit faire notre rapport, mais le mieux c'est d'avoir une preuve, vraiment preuve, et de faire un rapport à la prêtresse pour qu'il lance le truc, quoi. Quitte à ce qu'on participe après. Même si on n'a pas de preuve, si tes faisceaux, si t'as tellement de faisceaux d'assassinats et autres depuis 2 ans, qui correspondent que des gens qui sont supposés être dans leur septenarius, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Je veux dire, t'as plus besoin de preuves, hein. Tu les trouveras après, les preuves. Ou alors, on peut tenter de confronter, je sais pas, des frères, comme vous le disiez. Mais en fait, je pense juste qu'il faut juste passer à la guilde des pleureux, juste donner, enfin, des pleureurs ou des pleureuses, là, juste donner l'info, de faire pas de transmettre l'info à la grande prêtresse de Chalia, s'ils ont eu d'autres cas de langue machin en donnant les symptômes, parce que c'est important, et qu'il y a peut-être une. En disant qu'il y a peut-être une épidémie derrière, et que c'est très important, et derrière, on va voir le capitaine. C'est juste donner cette info, moi, pas les pleureux. J'avoue que je serais assez tenté de faire ce que dit Seb, parce que j'ai peur que qu'on manque de temps, en fait, et que si on attend vraiment la preuve, je pense que la preuve, elle arrivera avec... Ah, mais d'accord, enfin, je veux dire, si pour perdre de temps, on va faire ça, et puis on va pas s'emmerder, hein, c'est bon, on peut avancer, quoi. En même temps, on pourrait avancer si on nous balançait pas des légumes dans la gueule, hein, moi, je dis ça, je dis rien. Ah bah, excuse-moi, mais si vous avez pas eu les légumes dans la gueule, vous auriez fait un mois de bagne, hein, donc, bon, hein. Calcul, choisir, hein. Tous les légumes de la foire que dans tous les légumes ou que quoi non, rien. Non, il n'y a rien dit, c'est repris à temps en fait, mais bon. Bon, on va déjà faire notre premier rapport et puis on verra après. De toute façon, hein, si vous avez quelqu'un à reprocher, c'est vous-même, hein. Vous vous êtes fait choper, c'est tout. S'il n'y a pas de punition derrière, vous allez le refaire à chaque fois, et ça va être chiant après. Voilà. Si nous, on passe à la guilde des pleureuses, juste donner cette info si ça hein va, OMJ. D'accord, ouais. Alors, vous arrivez à la guilde des pleureurs. Voilà. Donc, guilde des pleureurs, c'est temple de mort, c'est administré par des prêtres de mort, en fait. Alors, on se présente, on dit qu'on vient, en fait, on vient pour un truc important par rapport à la grande prêtresse de Chalia qui suspecte une épidémie et qui veut avoir un rapport sur le fait s'il y a eu d'autres cas, et je décris les symptômes du truc. Alors attends, tu me fais un test du caméra, s'il te plaît. J'en ai marre des secrétaires. Je peux le tuer, la secrétaire, s'il te plaît. Réussi. 39 sur 41. Ah bah c'est réussi. Alors, Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça concerne alors? Bah, en gros, il y a eu, on
qu'il y a eu plusieurs cas de d'une maladie. Je suis dit que bon, je donne le nom de la maladie. Il y a eu deux cas et les symptômes de la maladie machin truc avec tel symptôme. Et en fait, la prêtresse de Chalet a besoin de savoir si combien d'autres cas il y a eu en ville depuis deux ans. Que ça ah, commence à devenir bah, je vais vous le dire. Nous, on a eu deux cas. Est-ce qu'il y a moyen de connaître les deux cas ou qu'ils soient transmis à la... À ce que vous m'écrivez, là, je m'en souviens bien. Le premier, c'était il y a deux ans. Ouais. Je demande si c'était bien le nom du... Oui, c'est Carl Teugen. Oui, ouais. Bah, on avait méchamment chié à l'époque. Et vous comprenez Plus plus que vous, hein. Ça nous a mis, on a mis deux jours à le rendre présentable à la famille. Heureusement, ouais. À l'époque, il n'y avait qu'un mendiant qui était mort, donc on a eu tout le temps de s'en occuper, mais oui, je me souviens bien. Les yeux qui sortaient des orbites, la langue toute gonflée, il avait presque vireux au violet. Oh pauvre, mais il a souffert, il est mort au bout d'une semaine d'agonie. Ah, ouais. Je m'en souviens bien, oui. Et puis, bah, ouais, il y a cet astrologue là aussi, là. Bon, il y a quelques jours. J'avais raison. Alors lui, ouais, par contre, étant donné que personne ne l'a réclamé, on l'a... Okay. Alors je pose la question juste entre joueurs. Est-ce que je lui lance une bombe au gars ou pas? En gros, je lui dis que cette méthode, c'est un assassinat magique. Ah non, moi, je commence à foutre le feu tout doucement. Hein. Ah par contre... Ouais, mais je suis pas d'accord, je pense pas que c'est la bonne idée. Hein. Je pense pas que ce soit vraiment la bonne idée de faire ça dans la ville. Mais, ok, non mais c'est juste question. Mais si ça fait partie de sa stratégie de foutre le bordel, je suis pas d'accord. C'est ça qui me pose problème, c'est que lui dire parce moi, que. Moi le truc voilà... c'est de faire paniquer, hein. Moi c'est pour faire paniquer moi, les moi, je pense que c'est le contraire, c'est que si tu les fais paniquer la ville, ça va nous desservir. Okay. Et qu'il vaut mieux que ça se passe quiet, quoi. Ok, pas de soucis. De toute façon, c'est bien vous qui nous avez fait rien. Il y avait la même chose? Ah non. Lui, il est mort de façon plus pragmatique, on lui a arraché le cœur. Alors, je lui pose la question, ça arrive souvent parce que ça va pas l'air c'est... très banal. Alors, ces derniers temps, oui, il faut quand même reconnaître qu'on en a eu plusieurs quand même. Sérieux? Et comment ça se fait? Attends, parce que je lui dis, c'est quand même bizarre comme type de... Parce que d'assassinat, oui, clairement. Déchiqueté comme il est, c'est une bestiole, quoi. Donc, voilà. Et puis, comme c'est que des... C'était que des vanupiers... Il y a des bestioles... Il y avait des traces de griffes. Pardonnez-moi de mon inculture, mais il y a des bestioles dans les égouts qui arrachent le cœur. On sait jamais ce qui traîne dans les égouts. Hein, mais vous savez, on a vu pire. Hein. Tu sais, je suis en train de me dire, on a été trop de fois dans les égouts pour moi. la question que je me pose, c'est est-ce que là, il aurait pas juste servi d'aliment pour le démon en fait qu'on aurait ouais, jeté dans, moi aussi, dans je dans me pose cercle, la question, quoi. Mais on l'a pas et trouvé. Moi, je au me même pose endroit. Pas la question, j'en suis quasiment certain. Mais... Ouais, mais on l'a pas trouvé au même endroit. Bah, après, ils l'ont évacué, quoi. Mais peut-être. Et puis, les autres trucs qui sont morts à côté du démon, c'était des squelettes. C'est ça. Par contre, il a peut-être servi pour d'autres rituels. Ouais. Mais bon. Bah, dans tous les cas, il y avait une femme enceinte qui voulait avoir un garçon, alors elle a mangé le cœur d'un nain. Bon, voilà. Mais vraiment, ça fait déjà quelques mois qu'on trouve, généralement, des mendiants. Ils sont souvent mutilés, il leur manque des organes, principalement le cœur, voilà. La plupart du temps, ah, c'est le cœur qui est bouffé. Bah, va, c'est qu'un trafic d'organes. Désolé. Bon. Yeah. Bah, je continue. Bah, je propose qu'on aille vers le fort. Ouais. Essayer de trouver le capitaine. Alors, évidemment, on va regarder sur le trajet. On sait jamais si on croit. Ouais. Tu te renseignes ou tu te renseignes pas? Ou tu ziotes ou tu demandes aux gens? Moi, je ziote, mais je demande aux autres de se renseigner. Moi, je demande aux gens. D'accord, bah, tu me fais ton test de commérage. Moi, ils vont dire que je pue la patate, alors du coup. Moi, je demande si on passe pas loin de la piole du juge Richter pour y aller. Et ça ne passe pas, mais... D'accord, bon, le capitaine, il va qu'à ses occupations. Putain de capitaine. Vous avez qu'à essayer à la Patrick, garde. Regarde dans la poubelle, on sait jamais. Il y a souvent des capitaines là-bas. Je ne relève même pas. Oh
Captain Poubelle. Eh hey, le mage, fais ton jet de commérage. Parce que moi j'ai fait ton putain de jet de fouille. Hein. Oh putain. Alors que tu te sentes pas tout seul, donc voilà. Hop, voilà, raté. En tout cas, a priori, il y en a un qui a réussi son jet de commérage. Bon, toi tu te renseignes en fait. Ouais. Ça vous prend un petit peu de temps, puis finalement t'apprends que il est peut-être sur la liste en fait. Ah, tu vois que tu devais infiltrer la liste, t'aurais eu toutes les infos si tu l'avais. Ouais. Il va se faire tuer à la liste, ça va être super. Hein. Mais moi je pense que c'est une bonne idée d'aller à la liste. Parce qu'il y a sûrement des gens qui regardent le spectacle avec le capitaine. Guillermo, prends ton appareil photo. D'accord, bon. J'aimerais bien que tu arrêtes les références à Cops toute la soirée, là. Ça commence à... Il n'y a pas que ça. C'était rigolo jusque maintenant. Là, il est minuit 10. Voilà, ah quoi. Bah... Bon, par contre, on n'a pas le capitaine, mais est-ce qu'on tente la confrontation pour y aller banco? Parce que je suis quasi certain que la nuit prochaine, c'est trop tard, quoi. C'est surtout que la confrontation, il est capitaine de la garde, il nous fait arrêter, on est en prison. Ouais. Vous allez au champ de lys? Oui. Non, merde. Oui, non, oui, on va au champ de lys. D'accord. Bah, finalement, vous arrivez à découvrir que le capitaine, il est ni plus moins que dans la tribune, en fait. Aïe. On a du mal à aller dans la tribune, hein. Je vous le dis. Ouais, donc. Il y a qui à côté de lui? Ah bah, petit test de caméra, si vous voulez savoir. Un seul, hein. Ah. Bah, je le fais, alors. Tu veux pas le faire? Réussi. Non. Ah bon, bien alors. Ah, t'apprends que le capitaine des gardes, c'est ce gars là-bas avec un uniforme, un bel uniforme. En même temps, bon, voilà quoi. T'apprends que le mec à côté de lui, c'est le conseiller Megarius. Qui fait partie de l'ordo. Voilà. Et puis pour le reste, c'est des nobles. Je vais aller chercher mon arc et je vais leur tirer dessus. Voilà. C'est pas le bon truc à faire. Tiens, prends une flèche. Mais pourquoi on reviendrait pas à votre vieux plan, vu qu'Henrich est en compétition avec son frère Franz, aller lui poser des questions sur son frangin et d'autres. Moi je veux bien. Ouais. Mais avant, je veux juste passer voir les grandes prêtresses là, qui sont au pied du chez le Rouge Richter. Juste pour leur dire en fait ce qu'on a trouvé. Mais putain, si, justement, c'est dis pas qu'on a rien trouvé, sinon pourquoi on joue en fait, hein. On a rien qui fasse avancer dans... Bah en fait si, le truc c'est que en fait on part de quelques faisceaux de présomption à de plus en plus de présomptions, et si le fait de juste de prévenir deux autorités entre guillemets compétentes de la ville, ça nous permettra que si on se fait prendre ou si on se fait gauler à faire de la merde, okay, que ça nous pète pas trop à la gueule, en fait. Ça s'appelle une assurance. Moi, je serais d'avis de faire ça avant d'y aller franco sur une confrontation et puis les accuser, quoi. Mais... Et par contre, moi, je serais aussi pour leur dire qu'on va les confronter, parce que c'est notre dernière carte, et peut-être qu'on va servir de fusible, mais voilà. On peut pas avoir... La seule moyen d'avoir des preuves dures, c'est une confrontation. Et moi, je veux faire ça en leur donnant, en fait, entre guillemets, pour qu'elles puissent, elles, de leur côté, peut-être nous faire une voie de sortie, en fait. Hein. Alors, il y a aussi une possibilité, c'est que, connaissant ce que peut faire la grande prêtresse de Verena, elle peut carrément faire une accusation. Enfin bref, il y a une possibilité de faire un truc avec la grande prêtresse de Verena, mais... Oui, mais on parle d'un ordre entier, pas une personne. Mais bon... Mais je pense que le mieux, c'est de les prévenir, en effet, de dire, bah voilà, tout ce qu'on a, et vu qu'on a l'impression que, ça, de toute façon, le temps presse, on va faire une confrontation, et ça peut dégénérer, donc... Enfin, je sais pas ce que Panish ou en pense, parce qu'il y a rien. Panish, il aime bien quand ça tape.
Kranich, du moment qu'il a sa hallebarde, il est d'accord. Donc... Elle est où ta hallebarde? Je l'ai ramassée. Ah oui, il y a quelqu'un qui me l'avait ramassée, de toute façon. Hein oui, je considère. Mais juste pour revenir sur le capitaine, il a l'air d'avoir le teint pâle, il a l'air bizarre. Non, en fait. Et Onan, tu sens quelque chose sur lui? Enfin, je sais pas à cette distance si ça marche. Non. Concentre un peu, t'auras un malus parce que t'es loin, mais voilà. Après, je suis 33 sur 60. Ok. Tu ressens rien. D'accord. Et je peux demander à un héros de demander au capitaine les gens voudraient lui. Ouais, on demande, quel prétexte en fait? La survie de la ville. Alors, non, le mec te rit au nez en disant ah, on l'avait jamais fait celle-là. Non, mais c'est pour une enquête en fait. C'est pour une enquête en cours et on aimerait. À propos de la. L'empoisonnement de... Alors, fais-moi voir un jet de bluff. Hey, je mens pas pour le coup, hein. Ouais, alors vas-y, dans ce cas-là, y a pas de souci. Fais-moi voir un jet de charisme. Ça sera mieux que bluff, vu qu'il a pas bluff, je pense. Mais je crois pas qu'il ait charisme. Non. Je l'ai, mais je l'ai à 13, si tu veux, donc je l'ai pas, mais... J'ai une vitre. C'est un peu ça, hein. Tu veux pas me présenter en disant que c'est moi qui suis en charge Voilà, c'est. Après, tu peux rentrer dans la conversation, pas de problème. Mais... Non, mais attendez, si le moindre va nu-pied pouvait rentrer ici et demander à parler aux puissants, je parle à mon job, moi. J'appelle la garde de l'Alice. Je suis un prince elfe. Ah, cette tentative de bluff minable. On a dit que t'avais pas bluff. Alors, à l'odeur, permettez-moi d'en douter. À vue de nez. À vue de nez, il est 5h. Mon royaume est dans la forêt, hein, c'est tout. Ça peut avoir juste un petit test de perception. Tout le monde? Ah oui, j'ai pas des personnes, donc faites-moi voir chacun un petit test de perception. Je pense que Dental aussi. Tout le monde a raté. Il y a le mien qui est passé là. Raté. Ouais, il est pas passé. Bien. Non, le 7 il est pas passé. Non mais. Ça sert à rien de cliquer. Ça sert à rien de cliquer sur le perception. Il est toujours pas codé. Alors. Réussi. Ça sert à rien de coder parce que le MJ il a pas pris la nouvelle fiche. Hein. D'accord. Allô. Je passe le tunnel. pendant que vous êtes tous en train de blablabla, tu remarques que Magirus est en train de quitter la tribune. Je fais la réflexion à mes camarades et je pense qu'on va le filer. Ouais. Je suis. Alors bon, il sort du champ, enfin du la du laine champ, en fait. Il a l'air de se retourner sans arrêt en fait. Et à un moment, il est bousculé par un homme, en fait. Le mec s'excuse, il repart. Et avec ton jeu, en fait, t'as remarqué qu'il s'est fait chouer sa bourse. Alors, je me demande si j'ai envie de me rendre sympathique à ses yeux, mais ça, je suis pas sûr que ça servirait à grand-chose, en fait. Et j'avoue que là, je sais pas. Je fais la réflexion à mes caméras de qu'il s'est fait faire piquer sa bourse. Bon, il nous ramène dans son bureau, on le tabasse et on est à l'abri de la garde. Voilà. Ok, bah vas-y, alors je te dis que le mec là vient de piquer la bourse du truc. On approche discrètement. Non, pas discrètement, on l'arrête, on chope, on lui tombe dessus sur le rap, mais tout de suite quoi. Ouais, oh, bah, je lui tombe sur le rap tout de suite. Et j'appelle le gars, je dis qu'on lui a volé sa bourse et je. Voilà. Vous voyez quand même que le gars. Vous arrivez dessus de façon ostensible, donc le gars vous repère et commence à... il se sauve avant que vous arriviez sur lui. Et dans le course Moi je continue à suivre le conseiller. Hein. D'accord, ok. Toi tu suis le conseiller. Oui, je crois que le perdre. En fait. Continue de suivre le conseiller. Avec le crâne chez moi qui le conseiller. Et Dental, tu fais quoi? Je vais écraniche.
Donc vous poursuivez le gars qui finalement balance la bourse loin et s'esquive à travers la foule. Donc, on va récupérer la bourse. La bourse ou pas? Ouais. Oui, si, on va récupérer la bourse. Ouais, mais faudrait le voleur aussi. Oh, non, pour fou. Alors, non, quand vous. Alors, quand vous avez la bourse, je passe aux autres. Alors, si on de l'autre côté de la ville, la bourse, hein. Ça, c'est du teasing, ça. Il y avait Geus qui est en train de s'esquiver. Vous essayez de le suivre. Oui. Eh ben, vous allez me faire un petit test de filature. Alors c'est quoi filature? Alors c'est 4D. Déplacement silencieux. C'est sur la compétence filature, toi. Après, on peut prendre des dés noirs. si vous ne l'avez pas, vous me faites un test de dissimulation. Agilité divisé par 2, c'est ça. Alors, comment si dire tu l'as pas, oui. Ça. Je vais griller un point de fortune. Non, parce que le 92, je le sens pas, quoi. Hop. Alors, sombre, effectivement, tu n'es pas repéré. Ok. Ta-ta-ta-ta. Si je me fais gauler, je me casse, hein. Si sombre, c'est pas fait. Et donc, toi, tu t'es. Il t'a repéré, en fait, Chrome. Il a essayé de s'essayer, et toi, il t'a. Et donc, il te repère, mais. Sombre, tu vois qu'il. Tu continues son chemin, en fait. Et il se dirige vers le vers l'aide de l'œil. Il rentre donc par. Oui. Il traverse la muraille, il retourne vers l'aide de l'œil. Bah, je vais continuer de le suivre. Bah écoute, c'est pas compliqué, il va rentrer chez lui. Nerveusement, il va se retourner, il va regarder, il te verra pas, et il va rentrer chez lui. D'accord, bah j'attends devant chez lui les autres. Alors. Dans la bourse, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez qu'il y a une dizaine de couronnes. Il y a 20 couronnes même. Et vous trouvez une espèce de petit message. Message qui dit liquide, c'est sans foirer. Ouais, alors le truc c'est que selon le code le de aura lieu, hein. Télécommunications et des postes, on n'a pas le droit de lire le courrier des autres quand même. Hein. Putain. Le petit message dit, c'est Dental qui a balancé les légumes. Putain. Une machin a pris le... Je sais pas, mais moi je présenterais bien ça à une certaine grande prêtresse. Mais bon, je dis ça, je suis pas là. On va pas lui rendre sa bourse, en fait. Bah, on peut toujours se présenter chez lui en disant qu'on a trouvé sa bourse et qu'on va lui rendre. Eh, mais là, ça veut dire qu'on peut les choper tous d'un coup, vu qu'on a le lieu et le. Ouais. Et l'horaire. C'est une synthèse d'intelligence, au fait. Ah. Ouais. Je pense que ça a raté. C'est pas bon de... Ah non, si, c'est temps, j'ai réussi. Non, j'ai réussi, voilà. J'ai réussi avec un 10. La classe, j'ai raté. Eh, Kranich, elle est sympa, ta hallebarde. Maintenant j'ai que vous y pensez, maintenant que vous y repensez, le gars que vous avez vu s'enfuir avec la bourse là, et vous avez l'impression d'avoir déjà rencontré en fait. Il est dans les égouts. C'est le voleur des égouts. Non. Mais vous l'avez rencontré dans une taverne. Dans une taverne. Ouais. La taverne qui est juste en face du poste de garde. Ah, là où on a eu des bières. Alors, ça me parle pas du tout. C'est quoi la première ligne du truc? Parce qu'il y a une, mais alors le deuxième mot, je vois pas ce que c'est. Attends. Ça, je vais te le dire en voix. Après le coup du... Une heure après le coucher du soleil chez moi. Tous les membres du conseil doivent être présents, signé Johann Steigen. D'accord. Et un joli pentacle avec un gros monstre au milieu. Ah, c'est après, gros, gros. Après. Ah, quand même, allez. Au prochain épisode, c'est ça? Bah, ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais là, on a un bon truc, là.
Sauf si vous voulez aller faire votre débriefing chez la prêtresse. Chez les prêtresses. Moi ça me gêne pas, moi je sais pas pour les autres. Bah, Chalia d'abord, parce qu'on est censé être sous sa juridiction maintenant, enfin, son truc, etc. Puis j'irai après. De toute façon, chez le juge. Oui, les deux prêtresses ont l'air d'avoir élu les domiciles chez le juge. C'est ça. Mmh. Faites les faites les. Si on me demande ce que vous faites, il est constamment avec de nana dans. Alors, tu peux même dire trois, parce qu'il y a Gilda aussi. Hein. Donc, vous repartez vers la maison du juge, c'est ça? Ouais. D'accord, je voulais juste savoir si vous faisiez ça ou si vous vouliez faire autre chose. Okay, bah, donc, du coup, les 20 pièces d'or, on les récupère ou... Ouais. Honnête, hein. Si on veut faire, je regarde notre ami de la justice, qu'est-ce que pense notre acolyte de la justice? Ah bah le mieux c'est de prévenir les deux prêtresses et après de dire qu'on va mettre en place, on va essayer de leur tomber dessus. Non. J'ai vu les 20 couronnes d'or. De l'argent. Les 20 couronnes d'or. Qu'est-ce qu'on en fait? On les a trouvés dans la bourse de quelqu'un qui est pas à nous et qui s'est fait voler. Oui mais c'est quelqu'un est un criminel. Ouais, puis c'est... Oui, mais c'est... ça reste quand même la propriété du mec en question. Après, techniquement, c'est pas nous qui l'avons volé. Bah oui, et puis de toute façon, on donne ça à Verena, non? On donne ça à la prêtresse de Verena. Avec les sous? Bah, c'est pas oui. Voilà, c'est... Moi, je laisse... Mais comment je vais faire pour acheter des légumes? Moi, j'ai besoin de mes sous, quoi. Du coup, je n'ai pas senti venir ça. Du coup, on va chez le juge pour avoir les deux prêtresses et on fait le rapport aux deux en même temps. Et puis, on va donner les sous en plus à Verena. Et on va dire qu'on va mettre en place une souricière. Un rapport avec les deux en même temps, titre ? Oh putain. Ah, si le MJ s'y met, hein, tout va à volo. Hein. Bon, bah écoute. Vous rendez de nouveau chez le juge Richter. Gilda est toujours contente de vous recevoir. Sandwich, boisson, elle vous montre tout ça. Et les deux prêtresses vous regardent. Nous aussi, on les regarde. Elles sont assises toutes les deux à côté du lit. Est-ce qu'on peut leur demander si elles ont un rendez-vous bientôt, en fait? Après le coucher du soleil, par exemple. C'est beau, quand même. Alors, elle regarde de façon un peu bizarre quand même. Non, mais c'est pour être certain. Ah, manifestement, alors, pour toi, tous les humains se ressemblent. Hein. Oui, d'accord. Hein. Et ceux-là n'ont pas l'air plus expressifs que d'habitude. Rapport. Et pour les autres, elles n'ont pas l'air plus expressifs que d'habitude. On regarde juste d'un air un peu bizarre. Allô, vous nous entendez? Ah, elles ont juste répondu à sa question, quoi. Ah, non, mais moi j'ai dit qu'on leur faisait le rapport complet. Donc oui, on le rapport complet, le gros faisceau de présomption, l'endroit, le lieu, la date, l'heure, le capitaine, capitaine, le voleur, et la bourse à la prêtresse de Verena. Tu donnes la bourse à la prêtresse de Verena? Avec ce qu'il y avait dedans, en fait. Avec ce qu'il y avait dedans. Ah. Avec les 20 couronnes aussi? Bah oui! Bien chier le cœur. Moi aussi un peu. Mais en même temps, il prouve quand même, auprès de Verena et de sa grande prêtresse, qu'il est réglo! Tout à fait! Même un peu trop! Si c'est réglo de la part de la prêtresse, c'est de nous rendre des 20 pièces d'or après. Écoute, fais tes prières à Verena, tu verras, elle va t'exaucer. Elle regarde le message et lit qu'est-ce que ça prouve. Vu l'espèce de pentacle, cercle, etc., c'est pas sympa et ça prouve que ils sont plusieurs. Et ce dont on se doutait déjà. Mais C'est surtout qu'il va avoir une réunion ce soir, en fait, a priori chez le gars là. Chez le capitaine. Tous être là. Voilà. A priori, tous les conspirateurs. Et qu'on va pouvoir tous les prendre la main dans le conspirateur. Ils font quelque chose de mal. Pourquoi vous avez rendez-vous? Non, mais ça prouve seulement que les membres du conseil vont se réunir. Bon, c'est bizarre, mais ouais, en soi...
Bah, avec tout ce qu'on a actuellement en plus, entre l'assassinat de. L'assassinat d'il y a ça 2 ans du l'héritier de la famille machin, le gars qui. Comment s'appelle L'astrologue qui, quand il trouve des choses liées au chaos, etc., se fait aussi assassiner. Le juge Richter, qui commence, quand il commence à mettre son nez dedans, se fait assassiner. Moi, j'appelle ça un culte du chaos qui sévit en pleine ville. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse que je fais des preuves. Oui, et ceux qui ont le plus à gagner dans tout ça, ça reste quand même les familles les plus riches de la ville, qui font partie de leur dos septenarius. Et qui s'est créé il y a 2 ans au moment où il y a eu l'assassinat à Chin. Ça fait vraiment beaucoup de preuves. Et là, pour moi, ils vont se réunir. Et sachant qu'il va se passer un gros truc entre les signes de la lune, etc. De toute façon, nous, on peut aller prendre des risques. Hein. Et puis. Attention. Vous pouvez prendre des risques. Je suis tout à fait d'accord. Mais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tuer tous les membres du conseil. Non, on va les arrêter. Est-ce que j'ai le droit de siffloter innocemment? La moitié suffira. Dieu reconnaîtra les siens. Non, on va les arrêter. Ouais, non, mais le capitaine de la garde est peut-être compromis. De toute façon, si déjà il décide de résister, de nous combattre, etc., c'est qu'il y a un truc qui est louche. Ouais, ou tu t'es rentré chez eux. Ouais, c'est louche, t'as raison. Alors c'est ce que j'allais dire, hein. Je m'assurerai quand même que. Vous débarrasser. Si vous voulez attaquer les membres du conseil, on n'est même pas certain que les membres du conseil soient les membres de leur deux. Bon. D'après ce que vous me dites, d'après ce que vous ramenez, on a bien conscience que Steinegger, Magirius et Toygun en font partie. Il y a du monde au conseil, hein. Mais bon, là, vous me dites que c'est une réunion du conseil, c'est pas. La signature est quand même. Enfin, c'est bizarre, et surtout. Ça fait vraiment pli secret, quoi. Ça fait rappeler officiel le truc, quoi. Je reprends le truc parce que. Oui, je suis d'accord, mais. Et puis, qu'est-ce qui nous dit que quand ils disent tous les membres du conseil, c'est pas tous les membres de l'ordre. De l'ordre de Septenarius, en fait, hein, tout simplement, quand ils disent ça. Je n'en sais rien, mais enfin bon, Toygun. Toygun, elle a même mis sur la. Sur l'hôtel de ville, ça pourrait très bien être pour le conseil de la ville. Hein. Avec ce genre de signature, alors qu'on vient de détruire un démon, qu'on a parlé d'invocation, maintenant. Je suis entièrement d'accord avec Seb. Si le conseil sort de cette ville-là, cette signature-là, c'est très bizarre. Après, si on peut. Après, peut-être qu'il faut qu'on s'introduise dans les locaux, on écoute le truc. Et si on voit des artefacts entre guillemets impies, on intervient et on aura devant nous les artefacts impies. Et puis, en gros, et on aura si vous ne trouvez rien, on n'intervient pas si tout est normal, tout se passe bien, que c'est un conseil de la ville où ils parlent juste de tractations commerciales basiques. Il n'y a aucune raison qu'on intervienne en soi. Vous pouvez même nous mettre un huissier de Verena pour qu'il atteste que ce qu'on a entendu était bien, ouais, mal, etc. Si vous avez pas confiance en nous. Donc, je pense que vous. De pas confiance. Non, la question, c'est de. Que si vous dévoilez. Si vous dévoilez alors qu'on ne sait rien du complot. Ah oui, non, c'est pas le but. C'est ça le problème. On ne sait même pas qui est le sorcier. Il va bien y avoir un sorcier. Vous avez parlé d'invocation. Vous avez parlé de maladie magique. Quel sorcier? Ce qui est sûr. L'un d'entre eux. On a, comme je disais, je reparle du témoignage. Alors, ça reste un témoignage que de la nana de la tente qui a trouvé bizarre le capitaine de la garde et que ça avait un effet direct sur le juge Richter. Moi, je connais pas les effets du sort s'il peut avoir entre guillemets un catalyseur ou quelque chose. Mais. C'est un peu gros, quoi, en fait. Au bout d'un moment, donc, d'après vous, le capitaine de la garde serait un sorcier? Si c'est pas un sorcier, c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Mais pour moi, en tout cas, en fait, le truc, c'est que j'ignore complètement la sorcellerie, de quel point ça va, si quelqu'un peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, etc. Je pense à ça, tu sais, quand prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, ça me fait tiquer, hein, clairement.
J'ai fait une scrutation magique sur le capitaine, j'ai rien décelé. Et en tout cas, le capitaine doit peut-être connaître le sorcier. Peut-être ces gens-là les connaissent, mais le problème c'est que. Oui, comment on peut. Mais moi je sais pas comment on peut dévoiler un sorcier en fait. Je regarde Onaim quand je dis ça. Mais tu le prends sur le fait. Y'a pas d'autre moyen ? Bah quand bah, tu dis. Quand tu dis abracadabra, c'est bon. Généralement, c'est rarement marqué sur sa tête, les sorciers. Hein. Oui, non, mais s'il n'y avait pas d'autre moyen magique, hein, vu que Onaim est là, quoi. Demande à Jamy. Attends, je tape sur une vitre. Hé, hey, Jamy. Bon. Il y a quoi, il y a peut-être une perturbation. Non, et clairement, de toute façon, dans ce groupe, il y a certainement un sorcier, voire plusieurs, mais on pourra les confondre que quand on sera sur place, donc... De toute façon, notre décision à plein risque, hein, c'est ce qu'on va faire nous bientôt. Donc, soit vous nous donnez le feu vert et on le fait, soit vous nous dites non et. Et vous n'êtes pas au courant de ce qu'on fera. Alors, la prêtresse de Verena, quand même un petit peu au courant de ce que vous faites. Bah oui, mais. De toute façon, vous nous avez fait confiance jusqu'ici et ça s'est avéré payant pour l'instant. Donc. Autant continuer sur cette relation de confiance. Peut-être pour la partie où on a dû vous faire sortir de prison. On a eu mal à faire avec des dockers qui étaient payés pour nous. On s'est juste. On s'est juste défendu et on a eu simplement un peu de mal à faire comprendre ça. Mais ça s'est très bien passé. Vous avez des producteurs maraîchers proches d'ici ou. J'ai une deuxième enquête à faire. Je pense que la guilde des maraîchers doit avoir quelque chose à voir avec l'Ordo Septenarius. Mais bon, ça c'est juste une... Et sinon, je crois que... Donc c'est à peu près de Chalia là, qui a pris la parole. Je crois que notre visiteur nocturne a repris conscience. Ah, bah, on va peut-être l'interroger. Ouais, ça serait une bonne idée ça. Alors vous remettrez ceci au frère portier et il s'arrangera pour vous faire rencontrer l'individu en question discrètement. Je vais être content de me revoir. Le mage, tu viens pas. Hein, je pense qu'il a gardé une trop mauvaise image de toi. Hein. Je pense qu'il a pas eu d'image de lui en fait. Il a pas eu le temps. Il reconnaîtra peut-être le bâton. Ah, traumatisme, un bâton. Ah bah bref. Bon. Alors, on va s'arrêter quoi. Ah non. C'est le mec que tu as chopé dans les égouts. Si. Un coup de bâton qui s'est assommé au sol et qui a failli se noyer dans la foulée. Voilà.